Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. C'est le sujet du jour. Bien, sujet du jour, ça sera sur l'hypoglycémie et sur l'hyperglycémie et sur le diabète. Donc on va faire ça crescendo. L'hypoglycémie, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Oui, c'est un manque de sucre. Ou une carence en sucre aussi, on peut dire ça. Ça selon le taux de sucre qu'on a dans le sang, de toute façon. Vous savez quel est le taux normal de sucre? Oula, c'est... Dans le sang? Non, je m'en rappelle pas. J'ai pas envie de dire de conneries, donc... Ah, c'est une bonne question. Bah, je crois que c'est 0, virgule... Alors, il faut pas dépasser... De toute façon, au-delà de 1 gramme, déjà, on est en hyper. Déjà, ça c'est clair. Je crois que, si je me trompe pas... Je crois qu'il faut pas dépasser 0,5 ou 6. Ah non, c'est pas 0,5, je crois que c'est 0,7, un truc comme ça. Après, j'ai pas le truc exact, mais c'est en tout cas dans ces zones-là. Donc là, je vais parler d'hypoglycémie, mais l'hypoglycémie qui est dite réactionnelle, c'est pas l'hypoglycémie due à au diabète, parce que l'hypoglycémie, on peut l'avoir aussi, mais pas forcément à cause du diabète. Donc l'hypoglycémie dite réactionnelle, qui peut toucher en fait donc des personnes non diabétiques, je tiens à le dire, l'hypoglycémie, tout le monde peut y être touché. Donc de point de vue de la médecine, les trois critères suivants doivent être réunis chez un individu pour pouvoir affirmer qu'il est atteint d'hypoglycémie réactionnelle. Alors un, le premier critère, c'est dû à une baisse d'énergie subite, accompagnée de nervosité, de tremblements, d'une faim impérieuse ou d'autres symptômes. Mmh. Ça, je pense que tout le monde a vécu ça. Une glycémie ou taux de sucre dans le sang inférieur à 3,5 millimoles par litre. Donc les fameux mmol par litre que vous voyez dans le truc, au moment où les symptômes surviennent. Et enfin, le troisième critère, c'est la disparition des malaises après avoir pris du sucre, comme un bonbon ou un jus de fruits. C'est ça. Ou du chocolat, comme moi. Le chocolat, je sais pas si le chocolat... Je sais pas. Chocolat, c'est plus du magnésium que sucre, hein, je pense. Mais, parce que Miss Eve mange du chocolat. Ouais. C'est pas bien. c'est moi qui dis ça. Bon. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu l'hypoglycémie souvent, notamment dû à la nervosité, par exemple? Moi, oui. Personnellement, j'ai vu très souvent, avant qu'on m'a annoncé que je suis diabétique, parce que ça je l'annoncerai tout à l'heure, parce que très peu de personnes le savent. Mais moi, ça m'arrive aussi. Hein. Toi, ça t'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça encore. Ça m'arrive assez fréquemment même. Donc, des tremblements. Moi, ça m'est arrivé des fois d'être comme hier, d'aller faire des courses, et puis ça m'est arrivé d'être pas bien, et puis il fallait que je mange des trucs pour être bien après. Quoi. Et, donc c'est ça. Ça allait mieux. Alors je ne sais pas si ça vient de ça ou ça peut venir du cœur, mais. Il suffit que j'ai mangé quelque chose, après tout va bien, quoi. Après, il y en a qui confondent beaucoup hypotension, hypoglycémie et bien sûr malaise. Voilà. Bah, disons que c'est assez variable, quoi. Ouais. Donc les problèmes comme ça, dus au sucre, au manque de sucre, ça peut être, il y a une multitude, quoi. Donc ça peut être lié à la tension, ça peut être lié à une diabète, ça peut être lié à beaucoup de choses, quoi. Donc du coup, c'est vrai qu'on on l'attache rapidement à une baisse de tension. Enfin, moi généralement, je fais beaucoup. Enfin, j'ai eu tendance à faire des baisses de tension, donc d'où le manque de sucre, d'où le manque de beaucoup de choses, quoi. Donc, et c'est vrai qu'une fois que tu prends un morceau de sucre ou une boisson bien sucrée ou quoi que ce soit, ben ça te rebooste direct, quoi. Mm-hmm. Oui, ça c'est sûr. Vu le jus d'orange d'il y a 2 jours, oui, ça c'est sûr. Mais moi, ça m'a filé vers l'effet inverse. Mais parce que malheureusement, j'ai le c'est pas dosé. Voilà. Je rappelle que l'hypoglycémie réactionnelle est un sujet controversé parce que plusieurs personnes considèrent souffrir d'hypoglycémie mais ne répondent pas à tous ces critères. Par exemple, elles traversent régulièrement des moments de fatigue, de baisse d'énergie et de nervosité, mais leur glycémie demeure tout à fait normale. Et ainsi, dans ces cas, le médecin ne peut conclure à de l'hypoglycémie. Donc, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Comment on peut différencier l'hypoglycémie, l'hypotension et aussi les malaises? Comment on peut arriver à différencier ça? Ben, c'est pas évident, hein, parce que comme on dit, ça peut être lié à n'importe quoi, quoi.
Je veux dire, donc, c'est pas parce qu'on fait une baisse de sucre que c'est à cause de la tension, que c'est, ça, il y a une multitude. La tension, on peut la détecter, mais comment on peut détecter une hypoglycémie, en fait, finalement? Comment on peut la détecter? Picotement. Enfin, moi, je la détecte comme ça, hein, picotement au niveau du visage. En fait, ouais. On n'est pas bien. Donc, les picotements au niveau de la peau, on commence à avoir un petit peu comme un genre de nausée, en fait. Mmh. Donc on se sent pas bien, on commence à avoir la tête qui commence à partir dans tous les sens, et donc voilà quoi. Et puis les tremblements, etc. quoi. Et pour les malaises, parce qu'un malaise n'est pas dû forcément à la tension et à la glycémie. Alors comment on peut dire ça aussi? Bah le malaise, il est radical quoi, hein, je veux dire, hein. Donc c'est directement au tremblement et puis on est livide quoi, hein, je veux dire, hein. Donc les jambes elles sont coupées, les membres aussi, donc enfin tout. C'est pas facile parce que dès qu'on fait un malaise, on dit dessus. La première chose que les gens disent, c'est je fais une hypotension, une hypoglycémie. Mmh. C'est la première chose que les gens pensent. Maintenant, ça veut rien dire. C'est pas forcément dû à ça. Donc, Sais pas. Mais après, c'est parce que voilà, c'est dû au stress, c'est dû à la nervosité, ça peut être dû à n'importe quoi. Et donc, ce qui fait que le taux de sucre chute anormalement, mais bon, il n'y a pas besoin d'être diabétique ou autre pour être assujetti à ce problème-là. En tout cas, pour l'hypoglycémie, je répète à nouveau, il faut à la fois et la nervosité, les tremblements, la faim impérieuse et aussi d'autres symptômes à côté. Et que, alors par contre, ils disent qu'il faut une glycémie inférieure à 3,5, mais sauf qu'on n'a rien pour pour savoir ça. On n'est pas constamment en train de vérifier sa glycémie, quoi, je veux dire. Hein, donc, tout le monde ne porte pas les insulines. Hein, non, c'est ça. Et puis on ne va pas se balader avec l'objet pour se piquer, pour histoire de voir à combien on en est, quoi. C'est juste ça qui m'embête. Alors, on ne dispose aucune explication claire sur l'origine de ces pseudo-hypoglycémies. Donc, un état de panique ou un excès de stress pourrait être en cause. Il se peut en outre que l'organisme de certaines personnes réagisse plus fortement à une baisse de glycémie. Et en médecine, les vraies hypoglycémies, j'ai bien dit les vraies hypoglycémies, qui répondent aux trois critères que je vous ai énoncés tout à l'heure, sont habituellement diagnostiquées chez des personnes atteintes d'intolérance au glucose, c'est-à-dire une étape préliminaire au diabète, et de diabète aussi, ou d'une maladie du pancréas. C'est ce que j'ai malheureusement. Donc une chirurgie à l'estomac peut aussi causer une hypoglycémie, mais c'est plutôt rare. Cela dit, qu'il s'agisse d'une hypoglycémie véritable ou d'une pseudo-hypoglycémie, les symptômes sont contrôlés et prévenus de la même façon, grâce notamment à divers changements dans les habitudes alimentaires. C'est ça. Alors, pour comprendre la glycémie, donc le glucose fournit aux organes leur principale source d'énergie. Il provient de la digestion des sucres contenus dans les aliments. On les appelle donc les hydrates de carbone. C'est bien, ça rappelle un petit peu la chimie de l'époque, c'est bien. On fait un petit peu des cours de chimie aujourd'hui, c'est bien. On parle aussi de carbohydrates ou de glucides. Les glucides, ça on connaît bien. Les desserts, les fruits et les produits céréaliers, donc le riz, les pâtes et les pains, en regorgent de glucides. Donc des glucoses aussi. Une glycémie normale à jeun, c'est-à-dire après 8 heures sans manger, pour une personne non diabétique, se situe entre 3,5 et 7 millimoles par litre. Mm-hmm. Je sais pas si c'est millimoles, c'est pas millimoles, je crois que ça s'appelle pas millimoles. C'est millimoles par litre, c'est bien ça. Après un repas, elle peut monter jusqu'à 7,8 millimoles par litre. Alors moi je parle en millimoles, malheureusement je préfère en grammes, mais apparemment on parle en millimoles. Donc entre les repas, le corps doit veiller à ce qu'il y ait suffisamment de glucose en circulation dans le sang afin d'apporter une source d'énergie aux organes. Et c'est le foie qui fournit ce glucose, soit en le synthétisant, soit en libérant le glucose qui l'emmagasine sous forme de glucogène. C'est bien, ça fait très chimique aujourd'hui. Hein. Les muscles renferment aussi du glucogène, mais celui-ci ne peut servir à rétablir une glycémie trop basse. La glycémie est contrôlée par plusieurs hormones. Sachez que l'insuline sécrétée après un repas fait baisser la glycémie, tandis que le glucagon, qui est l'hormone de croissance, et il y a aussi l'adrénaline et aussi le cortisol qui la font monter. Voilà. Et toutes ces hormones sont finement ajustées pour que le taux de glucose circulant soit relativement constant, même en situation de jeûne. Pas le jeûne. Hein, c'est-à-dire quand tu manges pas pendant une certaine heure. J'ai une question. Est-ce qu'il y a, vous avez, à part moi, hein, ne vous fiez pas à moi si c'est possible. Est-ce que vous avez connu des gens qui est-ce que vous-même ou des gens dans votre entourage sont victimes de hypoglycémie? Ah bah moi, mon père l'était, donc il était diabétique de niveau 2. Donc... Hypoglycémie, c'est pas diabète, hein. Oui, non, mais mais quand t'as le diabète, t'es assujetti aux hypoglycémies, aux hyperglycémies aussi. Mm-hmm.
puisque puisqu'il faut réguler, il faut constamment réguler. Donc moi, il était sous type 2 et avec l'insuline humaine, avec 3 injections par jour. Tout le monde est, toi aussi, Eve, tu connais ça, l'hypoglycémie, ou dans ton entourage? Oui, j'ai connu ça quand j'étais enceinte. Et j'ai eu aussi le diabète de grossesse, donc type 2. Mmh. J'en ai quelques fois parce que voilà, je mange pas sur la journée. Parfois, je mange pas pendant une semaine. D'accord. Donc, c'est pas bien. Alors, les plus touchés d'hypoglycémie, d'après vous, c'est qui? Quelles sont les personnes qui souffrent le plus d'hypoglycémie, d'après vous? Et là, Protect, bonjour. Voyons voir si tu es. T'as dit quoi? Les personnes âgées? Non. C'est pas les personnes âgées. Non, je pense que c'est la fourchette 30-50 ans, je crois. Non. Non plus. Non plus. Selon un site de médecine, l'hypoglycémie, les personnes qui souffrent d'hypoglycémie sont généralement des femmes qui ont entre la vingtaine et la trentaine. Mmh. Et ça, c'est une surprise, je m'y attendais pas. J'avoue que je pensais plus moi aussi, j'aurais dit moi vers la quarantaine. Et apparemment, ça serait les femmes entre la vingtaine. Alors, justement, est-ce que par rapport à ce qu'a dit Eve, dû à la grossesse peut-être, c'est peut-être ça? Ah oui, après, voilà, après toutes les personnes ne sont pas. Enfin, voilà, Eve, elle a eu le diabète de grossesse. Mmh. Moi, mon ex, elle a pas eu le diabète de grossesse, quoi. Donc, je veux dire, après, ça dépend aussi de. Voilà, c'est ça. C'est clair de toute façon. Donc après, tout dépend aussi des habitudes alimentaires qu'elle a eues pendant, avant, et donc voilà quoi. Donc. Moi, ma première grossesse, j'ai fait de l'hypertension. Mm-hmm. Donc ma première grossesse, elle s'est déroulée au Maroc, et les trois autres que j'ai eues ici en Belgique, eh bien, j'ai eu du diabète de grossesse. Et en conséquence, la plupart du temps, l'hypoglycémie réactionnelle est légère et s'estompe spontanément ou après l'ingestion d'aliments qui fournissent du glucose à l'organisme. Oui, c'est très rapide. Et il n'y a alors aucune conséquence grave après une hypoglycémie réactionnelle. On parle de réactionnelle, je ne parle pas d'hypoglycémie en cas de diabète. Hein. Attention, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Alors, comment on diagnostique la glycémie? Je vais vous dire que c'est qu'une fois que la situation qui déclenche les symptômes est découverte, il se peut que le médecin demande au patient de mesurer sa glycémie avant et après une période symptomatique. Les personnes qui ont à leur disposition un lecteur de glycémie, donc le glucomètre, alors ça, par contre, je savais pas que ça existait, donc les personnes qui ont un lecteur de glycémie, donc le glucomètre, peuvent l'utiliser. Mais ça, par contre, c'est intéressant de savoir qu'il y a un glucomètre qui existe. Mm-hmm. C'était au courant? Moi, par contre, ce qui m'a choqué une fois, c'est d'apprendre que quand on mange un McDonald's, après on est en hypoglycémie. C'est pas logique, parce que le pain, il y a du glucose. Ah oui, apparemment, le corps. Parce qu'en principe, dans les hommes. Donc, tire, et tu te retrouves en hypoglycémie. Et j'étais étonnée, j'étais même choquée. Je dis, tiens, mince. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas dans les sandwichs de chez McDonald's. Dans les ketchup, c'est sucré. Déjà, il me semble que les burgers, je parle du pain, hein, il me semble que quoi qu'il en soit, il y a de l'amidon et il y a du glucose dedans, ça c'est sûr. Après, c'est sûr que dans les steaks, il me semble qu'il n'y a pas de glucose dans les steaks. Dans le fromage, après, il y a les sauces. Bah, les ketchup, quoi qu'il en soit, c'est sucré. Oui, donc, même déjà dans les sauces qu'ils mettent déjà à l'origine dans le sandwich. Ah oui, après, ça dépend quel burger tu prends. Ah oui, ça c'est sûr. Si tu prends un cheese, en principe, ça marche, hein. Je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que donc, il faudrait que je retrouve cette étude qui a été faite, et ils disent que c'est donc une des raisons pour lesquelles, après avoir mangé à McDonald's, on a toujours faim. Oui, parce que ça amène pas les apports nutritifs qu'il faut. Ça me rappelle quand on était à McDo il y a un mois. Mmh. Excuse-moi de te rappeler ça. Hein. Tu te rappelles quand t'avais pris 4 Oui, parce que ça me cale pas. Et tu te souviens, t'étais en hypo, il me semble. Et quand t'avais pris ces 4 burgers, est-ce que ça t'a requinqué? Avec tout ce que j'avais pris avant aussi. Avec tout ça, parce qu'il y avait le menu, plus il me fallait absolument 4 autres, enfin au minimum, enfin j'ai jugé ça à 4, mais 4 hamburgers en plus, ouais. Et ça t'a boosté? Oui, j'ai repris du poil de la bête, quoi, mais ça m'a pas calé, quoi. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est dommage que ça marche pas au bout de un burger, c'est finalement. Ça. Il en faut plusieurs pour que finalement ça. Moi, il m'a fallu 4, 5, 6, et le wrap 7, allez.
7 sandwichs pour caler, quoi. Il dit pas le McFlurry et tout non plus derrière, hein. Mais en sandwich, ouais, il a fallu faire. Et la boisson. Et il y a la boisson plus derrière. Il y a la boisson. Ouais, mais bon, c'est coupé à l'eau, donc, c'est pas du pur, quoi, on va dire. C'est pas comme si toi t'achetais une bouteille de coca au supermarché, et que tu vas à McDo, ça a pas du tout les mêmes apports en sucre qu'une bouteille, quoi, puisque c'est coupé à l'eau et puis c'est de la poudre, hein. Par contre, il va falloir que je m'enseigne sur cette histoire de glucomètre. Tu sais ce que c'est, un glucomètre? Non, j'en ai jamais vu un. Moi, ce que j'ai toujours connu, c'était l'insuline. L'insuline, et puis la piqûre au doigt, ouais, avec la goutte de sang sur les languettes, et puis voilà, quoi. D'accord. Alors, sinon, la prise de la glycémie se fait à l'aide d'un test sur papier buvard, le glucoval. Ça vous parle pas? Non. Ce qui est offert dans certains laboratoires privés. Donc ça, il va falloir que je m'enseigne aussi. Donc si la glycémie est anormale, le médecin procède à un bilan de santé complet afin d'en trouver la cause. Et lorsque le médecin soupçonne que la personne souffre d'une intolérance au glucose ou d'un diabète, d'autres tests de glycémie sont entrepris, bien sûr. Donc il va falloir... Donc les symptômes, je vais les répéter. Donc les symptômes de l'hypoglycémie réactionnelle apparaissent plus souvent de 3 à 4 heures après un repas. Ça, c'est très important de le dire. Alors... vous avez soit une baisse d'énergie soudaine, soit de la nervosité, de l'irritabilité et des tremblements. Ça, c'est tout à fait toi, ça, l'irritabilité. La pâleur du visage, oui, largement. Les sueurs. Oui, ça peut arriver, oui. Le mal de tête. Bien sûr, moi, je peux l'avouer. Les palpitations. Oui, oui. Comme tout, c'est un petit peu ce qu'avait dit Laurent tout à l'heure, parce qu'il pensait qu'il y avait le cœur qui s'emballait, donc ça peut être dû à ça. Il y a la faim impérieuse, l'état de faiblesse, les étourdissements et aussi de la somnolence. Et enfin aussi une incapacité à se concentrer et aussi un discours incohérent. Je vais bien là-dessus. Ça doit être vraiment dans les cas extrêmes. Ouais, parce que là-dessus, ça va, j'ai pas de discours incohérent, donc ça va. Et lorsque la crise survient la nuit, alors ça par contre, c'est aussi important de le dire, lorsque la crise d'hypoglycémie survient la nuit, sachez que ça peut provoquer des insomnies, des sueurs nocturnes, des cauchemars, et aussi de la fatigue, de l'irritabilité et de la confusion au réveil. Ça vous parle, ça? J'ai jamais eu ce problème la nuit, moi. Dieu merci. Et pourtant, ça peut arriver. Hein. Ouais, bah, tant que ça m'arrive pas, tant mieux. Alors, je me suis entendu derrière, faut faire attention qu'il n'y ait pas d'écho derrière. Hein. Concernant les facteurs de risque, sachez qu'il y a au niveau de l'alcool. L'alcool inhibe en fait les mécanismes qui permettent de libérer du glucose à partir du foie. Il peut causer donc de l'hypoglycémie dans les cas des sujets à jeun souffrant de sous-alimentation. C'est bien, je vous apprends des choses aujourd'hui. Hein. Donc, Lionel, non, ça va, non. Bah ouais. Non, je suis jamais sous-alimenté, donc ça va. Ouais. Et j'ai de la réserve, donc ça va. Et sachez que on parle de facteurs de risque aussi sur une activité physique prolongée et trop intense. Donc, ça veut dire qu'à part des glycémies, une activité physique, si on te dit qu'il faut faire, par exemple, 1h30 de sport par jour, c'est pas 4 heures par jour, c'est 1h30. Si on t'a mis 1h30, c'est qu'il y a une raison. Alors qu'il y en a qui vont justement à l'extrême. Là, avec ce que je viens de dire, est-ce que là, du coup, ça vous a un petit peu mieux interpellé? Peut-être, Laurent, je sais. Peut-être, toi, tu posais des questions, tu pensais que ça venait du cœur. Là, ça te parle un peu mieux. Je pensais de ça parce que. Voilà. C'est un peu persuadé, quoi. Parce que... Les palpitations, par exemple, tu vois, c'est peut-être ça que tu as dû confondre avec les problèmes cardiaques. Parce que, De toute façon, moi, des douleurs au cœur, j'en ai tout le temps. Donc, ça, c'est depuis que j'ai fait ma crise cardiaque. Donc, qui n'a rien à voir avec l'hypoglycémie. J'en ai tout le temps. Des douleurs cardiaques, de toute façon, j'en ai tout le temps. Et j'en aurai tout le temps. Quand j'ai demandé au médecin, il m'a dit j'en aurai tout le temps, quoi. C'est normal, c'est le nerf qui s'est atrophié, et puis ils peuvent rien faire sur ça. Ève, tu veux rajouter quelque chose aussi? Non, pas comme ça. Non. Très bien. Alors, côté prévention, quels sont d'après vous les moyens de prévention contre l'hypoglycémie? Il y en a 1, 2, 3. Bon, déjà, il faut toujours avoir un minimum du sucre sur soi. Alors, non. Désolé. Il faut consommer des sucres lents comme du pain, des pâtes. Ouais, enfin, si t'es en pleine forêt, je me vois mal faire des pâtes. Hein. Alors, moi, c'est pas ce qu'on me dit. Hein. On ne parle pas d'avoir du sucre sur soi, je vous le dis franchement. C'est au niveau de l'alimentation, il faut une alimentation saine. Donc l'alimentation, c'est l'élément le plus important pour prévenir des crises d'hypoglycémie. À l'heure actuelle, personne n'a une alimentation saine. Manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Ouais, bah, y en a pas beaucoup qui peuvent se le permettre. Hein.
Donc voilà. Ensuite, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a trois. Ne jamais sauter de repas. Non, mais l'alimentation saine, c'est ça. Hein. De toute façon, je ne pas sauter le repas, mais ça, je préfère rien dire. C'est joker, si j'ai droit. Non. Si, j'y ai droit. Si. De toute façon, l'alimentation, on en parlera tout à l'heure avec le diabète. Mais il y a deux. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir de l'activité physique. Donc, il faut faire de l'exercice régulièrement, mais de façon modérée, en évitant les exercices violents et intenses. L'exercice améliore le fonctionnement des hormones qui contrôlent la glycémie. Vélo, bonjour. J'avais pas encore... Il prend de la poussière. Hein. Le pauvre. Hein. Et en troisième, il faut faire surtout, et là c'est pas évident, surtout quand on a des maladies de nerfs, et là Laurent devrait savoir aussi, parce que moi, on est malheureusement bien concerné là-dessus, c'est qu'il faut une bonne gestion du stress. Il faut aller chez Poinès. Mais là, il faut avouer que quand on a des problèmes de nerfs comme nous, c'est impossible de demander ça. Donc, faire du yoga. Non, ça marche. Ouais, ça marche, mais le problème c'est que ça va un temps. Ça dure. Le yoga, tu vas pas faire ça 24 heures sur 24. Ça va un temps, et puis une fois que le yoga est fini, ben ça va tu rebascules, on va dire, dans le côté nerveux de la force. Donc, on parle d'une bonne gestion du stress. Donc, il faut apprendre à gérer son stress, c'est-à-dire à en trouver l'origine et à trouver des solutions pour se sentir plus en contrôle, réorganiser ses horaires, prévoir les repas de la semaine, bien sûr, pratiquer régulièrement certaines formes de détente, comme des exercices de relaxation, c'est ce que a dit Ève, la respiration profonde, la détente musculaire progressive, etc., et qui aide aussi à évacuer le stress. J'ai bien dit le stress, c'est pas autre chose. Hein. On remarque parfois que les crises d'hypoglycémie ont tendance à se faire plus rares ou à disparaître carrément durant les vacances. Maintenant, si la prof de yoga est super bonne, ça peut encore aider. Je t'en prie. Encore plus. Ah, ça fait une activité physique en plus. Hein. Je t'en prie, Eve, si elle est super bonne. C'est quoi, c'est pour elle ou c'est pour l'exercice que tu veux voir? Ah ben, je parle de l'exercice. Bien sûr, si elle est bonne, je t'en prie. Mais par contre, c'est pas... Bah, vaut mieux avoir un bon prof quand même. Mais par contre, quand on a des maladies de nerfs comme moi et Laurent, je veux dire, de nous demander d'avoir une bonne gestion du stress, c'est limite impossible. Hein. Donc, je vous dis franchement. Bah oui. Demande à un bipolaire de contrôler son stress. Tiens, vas-y, fais-toi ce plaisir. Et Laurent, je me rappelle plus ce que tu as comme problème de nerfs, si tu veux en parler aussi. Non, je ne sais plus. Moi, je suis soigné pour ça, quoi. Je prends des cachets, c'est vrai pour les nerfs, quoi. Et si j'ai pas ces cachets-là, je peux être très très violent et je comprends de tuer quelqu'un, quoi. Question, est-ce qu'avec ces médicaments, tu arrives à maîtriser ton stress? Je suis beaucoup plus calme. Je veux dire, j'arrive à mieux comprendre les choses. C'est-à-dire que j'ai eu ces médicaments, ça m'a beaucoup aidé à me calmer. Pas spécialement tout, mais ça m'a beaucoup aidé, quoi. D'accord. Voilà, quoi. Et heureusement qu'il y avait ce médicament-là, parce que sinon, lors d'aujourd'hui, je serais pas là avec vous à la radio, quoi. D'accord. Je pense que j'aurais fait beaucoup de prison. Ah. Parce que je vois ce que tu veux dire. Je suis capable de tuer quelqu'un. Donc, je connais. Non, mais je comprends totalement ce que c'est. Hein. Donc c'est pour ça que je te posais la question. C'est pour ça qu'on peut se comprendre tous les deux là-dessus. C'est pour ça. Mais il faut pas en avoir honte. C'est pas que je suis méchant, mais quand je suis énervé, j'arrive pas à me contrôler. C'est quoi. Ça. Je comprends. C'est limite, j'ai peur de rien, quoi. Je comprends et je connais ça. Voilà. Alors, côté alimentation au niveau de l'hypoglycémie. Pour l'instant, on parle de l'hypoglycémie. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut manger et qu'est-ce qu'il faut éviter aussi au niveau alimentaire, par rapport à l'hypoglycémie? Je parle uniquement pour l'instant de l'hypoglycémie. Oh, j'irais un sandwich garni avec de la salade. Non. C'est pas marqué ça. On est sur l'hypoglycémie. Qu'est-ce qu'il faut? Avec un sucre lent. Déjà, je vais vous donner une question. Combien de fois par jour il faut manger? 3 fois par jour. C'est 3 fois par jour à des heures régulières. Moi, j'aurais dit 4. N'est-ce pas, monsieur? J'ai droit à un joker, là aussi? Monsieur Gauthier, n'est-ce pas? J'ai le droit d'avoir un joker là-dessus, non? Commence à faire beaucoup de jokers, quand même. Ensuite, pardon. On a droit de prendre une collation entre les repas. Oui. Mais, par exemple, c'est ce qu'on m'a conseillé, c'est la diététicienne qui m'a conseillé, une pomme. Notamment. C'est vrai. Une pomme, un yaourt. Une pomme à yaourt, bien sûr. Aussi, quand j'avais mes problèmes de diabète, ne jamais faire plus de 4 heures sans manger.
C'est un exemple. Alors 4 heures, ça veut dire si on fait régulier, ça fait 8 heures le matin, midi. Oh oui, mais après entre midi et après il faut faire 16 heures. Et après ça voilà. Fait 20 heures. Et 8 heures. Et 8 heures du soir. Mais à 16 heures, faut faire sa petite collation dans ce cas. C'est donc ça devient 4 fois par jour du coup. Moi je fais ma petite collation aussi. Et c'est quoi en thé ? Moi non, c'est un paquet de 15 biscuits. Hypoglycémie alors toi. Biscuit avec. Non mais non, ça c'est le soir à l'apéro. Alors ensuite. Alors, évidemment, limiter la consommation d'aliments riches en sucre, concentré ou rapide. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut éviter ou limiter? Alors, non, absolument pas. C'est pas ce qui est marqué. Il faut limiter les bonbons. Les bonbons, 1. Les boissons trop sucrées. C'est pas marqué, mais oui, je suis d'accord. Il faut aller vers les zéros, par exemple, c'est les Coca-Zéro. Hein, ça, c'est intéressant. Il faut éviter les gâteaux et les biscuits du commerce. Mm-hmm. Ah bon? Eh bien oui, c'est marqué. Il faut éviter les crèmes glacées. Ah bon? Non, t'as plus de joker, cherche pas. L'été, l'été quand même, je me fais des fois plaisir. La confiture, moi j'en prends pas, personnellement. Des fruits séchés. Alors ça par contre, c'est étonnant. Fruits secs, ouais. Les fruits secs, les raisins secs par exemple. Bah, du fait que le fruit en lui-même est, bah, est sec de toute façon, donc le sucre est forcément concentré, je pense. Ensuite, il faut manger suffisamment de fibres alimentaires. Vous savez où est-ce qu'on les trouve? Céréales. Les céréales. Donc le matin, les fibres alimentaires. Moi, c'est ce que je prends. Ça, tu racontes, t'as rien à dire. Pas de joker. Là-dessus, t'as rien à dire. Je les ai. Tu les as, mais est-ce que tu les prends? Oui. Même actuellement? Ah oui. Ah oui, mais même le matin, non. Ah, voilà. Le matin, je dors. Ben voilà. Le matin, je dors. Et il faut consommer 25 à 38 grammes par jour de fibres alimentaires. Et ça, c'est dans les céréales. Vous avez spécial fibres dans les céréales. Vous allez voir, ils sont. Vas-y, fais de la pub pour Kellogg's, vas-y. C'est très bon, ça. Non, mais je vous jure, moi, je prends mon pied quand je mange ça. J'adore ça, en plus. Donc, je peux vous garantir que ça fait un petit moment qu'il n'a pas pris son pied, hein. Mais il est méchant. C'est du moi qui voulais faire de la bonne pub, mais non. Non, t'exagères, franchement. Hein. Puis, en ce moment, je suis en période de critique stress, mais bon, je sais que c'est pas une excuse. Mais mercredi, je prendrai 10 paquets si tu veux de céréales à la fois. Et puis voilà, comme ça, au moins, il y aura pas de problème. Par contre, est-ce que vous savez ce qu'il faut éviter? Et ça, par contre, ça va vous surprendre. Alors, je pars toujours dans le cas d'hypoglycémie réactionnelle. Il y a deux choses à éviter, et moi, je suis concerné là-dedans, je tiens à le dire, mais moi, c'est plus pour les nerfs que je fais ça. C'est pas pour l'hypoglycémie. Il y a deux choses à éviter. Vas-y. Annonce. Alors, il faut éviter d'abord l'alcool à jeun. Tant qu'à faire, oui. Ça, voilà. Ça coule de source. Et vous savez combien il faut d'un verre d'alcool en mangeant? Un seul. Ah, exactement. Un seul verre d'alcool en mangeant qui est habituellement bien toléré. C'est pour ça qu'au jour de l'an, c'était le cas. On dira rien là-dessus. C'est espagnol. Tout à fait. Est-ce que vous savez ce qu'il faut aussi limiter? Et ça, par contre, c'est pas une surprise. Enfin, c'est une surprise pour l'hypoglycémie, pas pour ceux qui ont des problèmes de nerfs. Mais il faut limiter le café. En cas d'hypoglycémie. Ah bon? Eh bien oui, limiter le café et les autres boissons qui contiennent de la caféine, car... Je me sens concerné. Et vous savez pourquoi? Je me sens concerné. Bah, c'est un accident. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors là, on n'est que sur le cas de glycémie. Tu bois du café avec des problèmes de nerfs, Laurent, oui. T'as tout compris. Hein. Oui. Moi, par contre, je m'interdis ça, hein. Je te le dis franchement. C'est un accro au café. Il agit sur le foie. Ah ben le café, le problème c'est que ça transpire et ça te fait des tremblements, etc. Moi je sais ce que ça fait. Moi le café, faut pas que j'en bois, je fais un malaise avec ça. Même pas, ça marche pas. Par contre la seule chose que je peux faire c'est du café mélangé avec du lait. Oui, café au lait. Ouais. Ça je peux le faire, mais café tout court j'ai pas le droit. C'est pareil que ça fait grossir le café au lait. Oui, c'est ridicule. Oui. Non, disons que c'est pas bon pour la digestion, ça c'est pas sûr. Disons. Non, c'est même certain. Concernant le café et la glycémie, vous savez pourquoi il faut limiter le café? Là, je parle de ceux qui sont victimes d'hypoglycémie. En fait, le café abaisse la glycémie. Et ça, vous le savez, Page à Paris. Non. Eh ben non, comme ça au moins, je vous l'ai dit. Eh ben, comme ça au moins, j'aurais appris, je vous ai fait apprendre des choses aujourd'hui. Et que faire maintenant en cas de crise d'hypoglycémie? Donc, en cas de pseudo-hypoglycémie, ah oui, tiens, un petit peu de Protex, ça fera pas de mal. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'hypoglycémie? En cas d'hypoglycémie, ben faut manger quelque chose. Il manque une chose. T'as une chose à faire avant. Respire, tu vas y arriver. Non, parce que j'ai éternué, excusez-moi. D'ailleurs, tu sais, parce que quand j'ai eu de l'hypo, c'était la première chose que tu faisais. Qu'est-ce que tu faisais quand t'as une goutte de cola?
Non, la première chose à faire, la première chose à faire. Tu lui donnes un bouchon de whisky, il va être derrière. Non, mais physiquement, que, non, dans quelle position faut le mettre? Bah, tu la mets en position demi-assise. Il faut le mettre assis. Oui. Il faut s'asseoir. Après. Ensuite, tu fais ingurgiter à la personne une boisson ou un truc un petit peu sucré, pas trop, mais un petit peu sucré. C'est ça. Il faut ensuite lui donner à manger, manger quelque chose qui a une source de sucre. Voilà, c'est ça. Par exemple, un fruit. Oui, voilà. Un exemple. Ou vous pouvez c'est aussi. Si toutefois, elle s'en sent capable. Il y a une chose que vous pouvez aussi autoriser à donner, c'est un morceau de pain. Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas hésiter en cas d'hypoglycémie de donner un morceau de pain ou aussi un muffin maison. Mais bon, muffin maison, tout le monde n'en a pas, mais au moins un morceau de pain. Monsieur, j'ai toujours mon muffin maison sur moi. Comme bien sûr, ouais. Ensuite, en cas d'hypoglycémie véritable, qui répond aux trois critères que je vous ai dit en début d'émission. Donc, il faut s'asseoir, je l'ai dit. Il faut ensuite toujours donner à manger une source de sucre concentré, par exemple, jus de fruits, ou un, cette fois, si c'est véritable, fruit. Ou un bonbon. C'est, oui, un bonbon. C'est autorisé. Ah, oui. On peut donner un bonbon, mais vraiment cas d'hypoglycémie sévère, on va dire. Et dans tous les cas, il est bon de prendre une collation protéinée une vingtaine de minutes plus tard, comme un morceau de fromage. Oui, pour rebooster. Le... Et aussi des morceaux de noix. Ça, c'est une surprise aussi, je pense. Non. Ça, tu savais, les morceaux de noix. Oui, oui. Mon père en prenait, donc. C'est pour rebooster et puis pour rééquilibrer, en fait, la balance, quoi. Tout simplement, vu que t'as une perte d'un élément. Mmh. Donc ça permet de réguler pour éviter justement de retomber ou voire même de basculer de l'autre côté en hyper par exemple. Qu'on va en parler juste après. Là on vient de faire l'hypo. Ça y est, j'ai fini le sujet de l'hypoglycémie. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce que vous avez des choses? Est-ce que ça vous a appris des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Est-ce que maintenant vous reconnaissez les choses? Ça vous aura peut-être rappelé des choses aussi. Moi, oui. Oui, bah forcément après voilà. Quoi. Quand j'ai fait mes crises, ça tu les as vues hein. Oui. Oh, c'était mignon, mes petites crises d'hypoglycémie. Oh, quand on connaît, ça va. C'est vrai qu'au début, quand t'as affaire à des personnes qui sont diabétiques ou autres... J'étais pas diabétique à l'époque. Non, mais quand tu vois les crises, ça reste quelque chose d'impressionnant. Mm. Après, quand t'en as l'habitude, c'est les gestes, ils sont là, quoi. C'est automatique, quoi. Donc, ça va tout seul. Il y a même plus de stress, quoi. Ouais, il y a point S. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Avant qu'on passe à l'hyperglycémie. Ève, tu disais? Non, rien. Merci, Ève. Laurent non plus? Non. Merci, Laurent. Alors, l'hyperglycémie, évidemment. C'est l'inverse. L'hyperglycémie, donc, est un trouble qui se manifeste par une élévation anormale du taux de sucre dans le sang. Est-ce que vous connaissez, par exemple, des causes de cette hyperglycémie? Donc, bien sûr, l'alimentation, on est d'accord, mais à part ça? Toujours le stress, je présume, non? Alors, je vais vous donner les causes. D'abord, c'est que c'est un phénomène qui est naturel après un repas, je tiens à le dire. Et l'utilisation du glucose par les cellules couplée à l'action de l'insuline qui permet de réguler cette hausse ponctuelle. On parle essentiellement d'hyperglycémie dans le cadre du diabète. On en parlera tout à l'heure, le diabète avec les types. Mais elle peut se rencontrer également au cours de fièvre aussi. Ah, ouais. Ça par contre, ça doit surprendre. L'hyperglycémie, on peut l'avoir en cours de fièvre. Ah, Lionel, peut-être? Non, je n'étais pas au courant. Récemment? Oui, après j'ai eu... Ouais, non, je ne me suis pas senti en hyperglycémie, quoi. T'as vu des... Malgré que j'étais malade à en crever, mais... Parce qu'on peut avoir de l'hyperglycémie en cas de fièvre, de maladie infectieuse ou inflammatoire. T'as pas ressenti quoi que ce soit, récemment? Aucunement, non. Justement, non, puisque j'avais vraiment pas faim du tout, donc... Et en particulier... Il ne pouvait pas sentir, le pauvre, il avait le nez bouché. Est-ce que vous savez quel est l'organe le plus concerné? C'est le pancréas. Eh non, perdu. Quel est l'organe le plus concerné par l'hyperglycémie? Le cœur? Non. Le foie? Oui, le foie, tu devrais le savoir en plus. Ma foi. Bien sûr, le foie. Et elle peut se rencontrer également au cours de fièvre, de maladies infectieuses ou inflammatoires, en particulier du foie, ou en cas de stress intense. Voilà. Concernant les symptômes de l'hyperglycémie... Évidemment, vous savez que c'est l'inverse du lipo. Donc, sachez qu'il y a la fatigue et la somnolence qui est source d'hyperglycémie. Vous avez la soif intense si vous buvez beaucoup. C'est ça. C'est pas cool. Vous avez également un amaigrissement malgré un appétit conservé. Ah, tiens. Peut-être à vérifier chez quelqu'un en particulier. Ouais, peut-être. Peut-être, qu'on sait jamais. Et aussi un besoin fréquent d'uriner. Ouais, ben non. Si vous urinez au moins 4 milliards de fois par jour, c'est qu'il y a un souci là-dessus. Hein. Ensuite, on parle d'hyperglycémie chronique.
Une hyperglycémie chronique qui se retrouve quasiment exclusivement dans le cadre de l'évolution d'un diabète est plus embêtante car elle est responsable à long terme des complications graves qu'on en parlera tout à l'heure. Donc, ça, on parle d'une atteinte à la rétine. Qu'est-ce que la rétine? C'est les nœuds d'œil, c'est ce que j'ai eu, c'est ce que j'ai récemment en plus. Une atteinte de la rétine avec évolution vers la cécité. C'est-à-dire qu'on ne voit, plus rien finalement. Ensuite, est-ce que, d'après vous, à part la rétine, est-ce que vous avez d'autres, d'après vous, ça atteint quoi, d'après vous, l'hyperglycémie? D'après vous. Il y en a un, deux, trois. Alors, donc, on a dit la rétine. Ensuite. Est-ce que vous avez. Oui, sur l'hypertension, sur l'hyperglycémie, je sais pas. On parle aussi d'une atteinte du rein. Ouais. Avec évolution. Oui, forcément, s'il y a beaucoup, si tu as beaucoup aux toilettes, oui, forcément. Avec évolution vers une insuffisance rénale. Ensuite, il y a l'atteinte des nerfs. On parle. C'est bizarre parce qu'on parle d'insuffisance rénale dans le sens, alors pour une personne qui est censée être en hyperglycémie, donc elle va forcément aller beaucoup aux toilettes, mais elle boit beaucoup, donc justement, il peut pas, enfin, c'est assez contradictoire, parce que quand toi tu bois beaucoup, justement, tu fais travailler tes reins. Et vice versa aussi quand tu vas uriner, donc, C'est étonnant. Ensuite, on parle d'une atteinte des nerfs qui empêche la conduction de l'influx nerveux. Ça me rappelle des choses. Et ensuite, on parle d'une atteinte des artères qui favorise la formation de l'athérome, dépôt qui diminue le calibre des artères. Et aussi, on parle d'une susceptibilité aux infections. Est-ce que là, je suppose que ça vous parle moins déjà, parce que je pense que vous n'avez pas été victime d'hyperglycémie. Qui c'est qui a été touché par la glycémie une fois? Alors, bien sûr, toi, Eve, t'en as parlé, parce que t'as été touché à ça par rapport à la grossesse. Mais si on parle hors grossesse, est-ce que t'as déjà été atteinte de ça? Ben écoute, j'ai déjà eu ça, des périodes, encore il n'y a pas longtemps, où j'ai hyper soif, et j'arrête pas d'aller aux toilettes, qu'est-ce qui se passe? J'arrête pas de boire. Franchement, la bouteille, elle partait en moins de deux. Dis-moi, t'arrêtes pas de bouffer par hasard? Ça doit être ça, non? T'arrêtes pas de manger par hasard non plus? Je plaisante. Non. Je plaisante parce que ça peut être dû aussi à l'alimentation, selon ce qu'on mange aussi, hein, l'hyperglycémie. Faut faire attention à ça. Hein. C'est ce qu'on dit. Donc, comment on dit? J'ai pas mangé de pizza aux anchois ni autre. Qui pourrait justifier la soif. L'exemple il est simple, tu vois, quand on se fait des soirées pizza ou des trucs comme ça, par exemple, quand on mange un certain nombre de pizzas dans la soirée, eh ben tu peux être sûr que dans la nuit t'as été pris d'une soif monumentale, quoi. C'est vrai. Donc. Alors comment on diagnostique l'hyperglycémie? Sur vous, il n'y a pas 4 milliards de solutions. Non. Par le sang, bien sûr. Vous savez quel est c'est là qu'on va parler en grammes, ça y est. Quel est, d'après vous, le seuil à ne pas dépasser en glycémie? 1,47. Non. On est en hyperglycémie à partir de combien, d'après vous? Et ça, tu devrais le savoir, parce que même le médecin te l'a dit, je crois. Tout le monde, tous les médecins le disent. Ouais. Il faut pas dépasser 1,5. Combien t'as dit? J'ai dit une connerie, j'ai dit 1,5. Oui, là, t'as dit une connerie, effectivement, je te le confirme. Personne ne sait? Non, c'est 1,26. 1,26 grammes par litre de sang, et à partir de là, on peut commencer à parler de diabète aussi, j'expliquerai pour le diabète, mais le diabète, c'est si jamais ça dure. L'hyperglycémie. Oui, c'est sur la durée, le diabète. C'est pas de suite, hein. Je rassure tout le monde. J'expliquerai le diabète parce que je suis passé par là. Même toi, tu l'as vu. Donc, on en parlera tout à l'heure. Mais question quand même, ça m'a surpris. Comment ça se fait que j'ai pas eu de médicament, moi, avec mon type 2? Est-ce qu'ils attendent pas les résultats? C'est ce qui m'avait surpris. C'est ce qui m'avait surpris puisque, bon, moi, mon père qui était diabétique de type 2, avec insuline et tout le bordel. Et plus les médicaments. C'est ce qui m'a étonné. Après, est-ce qu'ils attendent pas justement les deuxièmes résultats pour voir un peu comment te mettre sous quel traitement, en fait? Donc tu penses que c'est selon la deuxième étape. D'accord. Je pense. Donc pour l'instant, on revient sur le type 1. Donc le type 1 qui est appelé diabète insulino-dépendant, qui concerne environ 10% des diabétiques. C'est très peu, c'est très peu, 10%. Et au cours du diabète de type 1, des cellules du pancréas sont détruites, entraînant alors une diminution, voire une absence totale de sécrétion d'insuline. Le diabète de type 1 touche plutôt les enfants et les adolescents, ainsi que les adultes âgés de moins de 40 ans. Près de 10% donc des malades sont diabétiques de type 1, dont la moitié ont moins de 20 ans. C'est quand même fou, hein. Le diabète de type 1...
Tout à fait. Non, mais non, tu sais, je parle du diabète, je parle pas de l'allergie aujourd'hui. Hein, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout le même sujet. Hein. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, pathologie provoquant une hyper-réactivité du système immunitaire contre certaines cellules ou tissus de l'organisme. Dans le cas du diabète, les cellules du pancréas produisant l'insuline sont dans ce cas détruites par certains globules blancs qui sont appelés les lymphocytes. Rappelez-vous de vos cours de chimie, d'SVT, là, rappelez-vous de ça. Au cours du diabète de type 1, le pancréas ne réussit pas, ou même plus, à synthétiser suffisamment d'insuline. Le glucose n'arrive donc plus à pénétrer dans les cellules, augmentant ainsi son taux sanguin et provoquant une hyperglycémie. Dans la majorité des cas, les cellules bêta et des îlots de Langerhans, que je connais pas, qui sont situées dans le pancréas, qui sont détruites par nos propres anticorps et ne réussissent plus à produire suffisamment d'insuline. Une prédisposition génétique au diabète de type 1, certains facteurs déclenchants liés à l'environnement, ainsi qu'un mécanisme auto-immun qui participe à l'apparition de ce diabète. Et d'autre part, l'hyperglycémie apparaît quand plus de 80% des cellules bêta des îlots de Langerhans, que je connais pas du tout ce que c'est, hein, ont été détruites. Et un ou plusieurs types d'auto-anticorps interviennent dans le processus auto-immun de diabète 1. Je suis désolé, ça fait très chimique tout ce que je vous dis, mais il faut expliquer ce que c'est que le diabète. Les auto-anticorps anticellules des îlots, les auto-anticorps anti-insuline, les auto-anticorps anti-décarboxylase, les auto-anticorps anti-décarboxylase. C'est mieux. Et aussi de l'acide, glutamique. C'est toujours un grand moment avec moi, quand je fais des sujets de santé, c'est toujours un grand moment avec moi. Donc de l'acide glutamique et les auto-anticorps anti-IA2. Pas facile de dire tout ça. Donc la surveillance de son alimentation associée à la pratique d'une activité physique régulière sont les premiers conseils que le patient doit respecter formellement. Comme tout problème de glycémie de toute façon. D'autre part, la prise en charge du tabagisme, je ne fume pas, la consommation d'alcool, c'est occasionnel, de l'hypercholestérolémie. Qu'est-ce que c'est que l'hypercholestérol? La graisse, en principe. Oui, c'est ça, le surplus de graisse. Ouais. Eh bien oui, ça fait partie des problèmes à surveiller, le cholestérol. C'est ça. Faire attention qu'il n'y ait pas trop de cholestérol. C'est pas mon cas, je dis franchement. Ouais, je sais, j'ai fait une prise de sang pour ça, le sucre et le... La cholestérol? Triglycéride? Le cholestérol. Moi, c'est plus la triglycéride. C'est pas mieux. J'ai fait faire samedi la prise de sang. Donc, problème de... Faut faire attention aussi au surpoids. Faut faire attention à tout ça et qui sont des mesures indispensables. Donc les symptômes du diabète de type 1 surviennent en général très brutalement et apparaissent ainsi un besoin d'uriner fréquemment, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, une soif intense, une sensation de faim intense et aussi une perte de poids et une fatigue intense. Ah, par contre ça surveillait quand même chez quelqu'un, je trouve ça. Hein. Mmh. Parce que la fatigue intense et le poids, si je peux me permettre. Au cours du diabète de type 1, l'apport d'insuline qui n'est plus fabriqué en quantité insuffisante par le pancréas est indispensable. Le traitement s'effectue à l'aide de plusieurs injections d'insuline et sous-cutanées effectuées chaque jour par le patient et nécessite une surveillance régulière. Je ne savais pas qu'on pouvait faire de l'insuline au type 1. Ça, par contre, je l'apprends. Je pensais que c'était que au type 2, moi. Bah, apparemment, non. C'est selon la gravité des choses, peut-être, le type 1. Ouais. Est-ce que Natou a de l'insuline, Eve? Elle prend des cachets. Mais elle n'a jamais été encore sur aux injections d'insuline, jamais? J'ai pas vu faire d'injection. D'accord, parce que ça me surprend qu'on peut faire ça au type 1. Je l'avoue, on m'a toujours dit que c'était type 2, donc c'est pour ça que ça m'a surpris. Voilà. Est-ce que vous avez appris quelque chose sur le type 1? C'est peut-être le moins connu, hein, je le dis franchement, c'est pas forcément celui qu'on connaît le plus, parce que ça concerne que 10% des cas. Moi, quand j'étais enceinte et que j'avais le diabète de grossesse, à certains moments, on me parlait de faire des injections d'insuline. Ça, je me souviens. Pendant ta grossesse? Oui. D'accord. Et c'était si élevé que ça, ta glycémie, c'était à combien? Ah, je ne sais pas te dire, mais en tout cas, on me parlait d'injections. D'accord. On m'a dit que si ça continuait, on allait commencer les injections. D'accord. Ah oui, si c'était dans la durée. Voilà, c'est surtout pour ça. Oui. Donc, en général, j'avais rendez-vous le lendemain, le surlendemain. J'étais très surveillée là-dessus. Oui. Je retournais, par exemple, le lendemain. Il me dit non, ça ne va toujours pas. Il faut penser à l'insuline, ça ne va pas.
D'accord. Mais ça, c'est parce que c'est dans la durée, en fait. Donc, je pense qu'insuline, on déclare les injections d'insuline, je pense, pas, peut-être pas tout de suite, mais selon la durée, si ça dure trop longtemps, je pense que ça doit être ça, en fait. Je pense. Hein. Alors, moi, c'était toute la grossesse. Hein. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le type 1 avant qu'on passe au type 2 Type 2 qui est beaucoup plus court, enfin qu'on entend beaucoup parler, mais que qui est beaucoup plus grave. Et qui est beaucoup plus grave et qui a beaucoup plus de conséquences surtout. Alors, le diabète de type 2, qui résulte d'une diminution des effets de l'insuline. On parle alors donc d'insulinorésistance. Donc l'insuline est une hormone fabriquée par le pancréas et qui facilite le passage du sucre du sang vers les cellules. Si elle ne fonctionne pas bien, le sucre s'accumule dans le sang. La glycémie donc augmente et le diabète apparaît. Au début donc le pancréas compense ce déficit en augmentant la synthèse d'insuline, mais à force il se fatigue jusqu'à s'épuiser et devenir complètement inefficace au bout de 10 à 20 ans d'évolution du diabète. Donc le diabète du type 2 est lié au surpoids et à la présence de gènes prédisposants. Pour devenir diabétique, il faut donc d'une part être prédisposé génétiquement et d'autre part avoir une mauvaise hygiène de vie, à savoir être en surpoids, manquer d'activité physique et avoir une mauvaise alimentation. C'est bien, j'ai tout réuni dans la gueule. C'est comme ça, c'est direct. Donc le diabète de type 2 est une maladie qui reste très longtemps silencieuse, pouvant évoluer pendant des années sans provoquer aucune manifestation. La majorité des diabétiques de type 2 ne ressent aucune gêne pendant de nombreuses années. Le diabète de type 2 ne se voit pas. C'est vrai que physiquement, ça ne se voit pas, le diabète. Hein, faut quand même le dire. Donc, sachez qu'aucun symptôme ne permet de repérer le diabète avant l'apparition des complications. En fait, c'est une complication qui permet malheureusement en fait de repérer. Donc, la maladie évolue sournoisement. Sachez que 50% des diabétiques diagnostiqués en tant que tels présentent des complications. La moitié. C'est quand même fou, hein. Pour le dépistage, il faut consulter son médecin traitant pour qu'il vous prescrive une analyse de la glycémie, donc une prise de sang. Une simple prise de sang permet de mesurer le taux de glucides dans le sang, donc la glycémie. Lorsque la glycémie dépasse 1,26 g par litre sur au moins deux prélèvements sanguins, le diagnostic du diabète peut être posé. Mais de toute façon, moi, c'est ce que j'ai eu parce que j'avais fait plusieurs... ça, je peux le dire, hein, je suis bien concerné. C'est pas suffisant parce qu'en fait, ils voient effectivement deux bilans sanguins. Ils disent que c'est effectivement élevé. À ce moment-là, c'est là que j'étais à l'hôpital de jour, qu'ils ont provoqué l'hyperglycémie et voir si c'est si c'était le diabète. Donc en fait, il faut en plus aller dans un hôpital de jour pour qu'ils provoquent une hyperglycémie et voir ça. En fait, c'est peut-être plutôt ça qu'il faut voir. C'est pas suffisant les deux prises de sang. C'est juste une possibilité de diabète, mais pour qu'il y ait vraiment diabète, il faut aller à l'hôpital de jour et faire ce qu'il faut là-dessus. Je tiens à le dire. Est-ce que là-dessus, t'es concerné? T'as des problèmes de glycémie ou pas? Non, ça va. Jamais. Laurent, t'as des problèmes de glycémie? Non, non. Ève non plus. Question. Allô? Est-ce que ça peut aussi porter sur de la rétention d'eau? Allô. Attends, Laurent, je t'entends. Avoir des problèmes de rétention d'eau avec ça? La rétention d'eau, l'hyperglycémie. Non, là, c'est le contraire, parce qu'apparemment, ça donne envie de boire. Donc, il me semble que l'hyperglycémie donne envie de boire. Donc, il n'y a pas de souci. Tu voulais dire quelque chose, Laurent, parce que tu dis allô, allô à lui, moi, je te dis. Tu voulais dire quelque chose? Ah, Laurent a des problèmes de son. Tu m'entends ou tu m'entends pas? Allô? Laurent a des problèmes de son. Bon, il va revenir, de toute façon. Donc, pour le traitement et le suivi, le médecin généraliste qui est l'interlocuteur idéal. Donc, en complément, une visite annuelle chez un spécialiste diabétologue est recommandée. Alors, moi, je n'ai pas vu un diabétologue. Je ne savais pas que ça existait, en plus. Tu savais que ça existait, un diabétologue, ça existe. Oui, ça existe. Moi, j'ai pas vu un diabétologue. Après, parce qu'on n'en avait pas dans la région. Mais... Moi, j'ai vu un endocrinologue, c'est ça? C'est ça que j'ai vu, moi, personnellement. Donc, c'est pour ça que ça ne me parle pas, le diabétologue. Parce qu'il n'est peut-être pas dans la région. Ah, peut-être. Et c'est quoi la différence avec un endocrinologue? Oh, là, je sais pas. Un endocrinologue, c'est... la thyroïde, tout ça, le cancer. Merci de me... J'ai eu une coupure. Il n'y a pas de souci, Laurent. Par contre, je te remercie, Eve, de me rassurer. C'est très gentil de ta part. Ça fait plaisir. C'est vachement rassurant, en fait, tout ça. Hein. L'endocrinologue, c'est sur le cancer. Je sais pas. Ah bon, parce que... Je peux pas dire. Ah bon, parce que l'endocrinologue, il me semblait que c'était par rapport à mes soucis de foie.
c'était pas une histoire. Ah, t'as peut-être raison. Parce que quand il y avait un souci de foie, tu sais, la grosseur du foie, on avait cru qu'il y avait une possibilité de, c'est pas la thyroïde, par contre, hein, le foie. Mais il y avait une possibilité d'autre chose. Mais pas cancer, c'était autre chose. On ne peut plus du nom, par contre. Alors. Oui. Tu disais quoi, Eve? Non, rien. Merci. Non, parce que j'entends des choses derrière. Pour ça. Donc, le spécialiste diabétologue peut affiner le traitement et il est au courant aussi des dernières nouveautés. Il peut aussi vous orienter en cas de complications. Et de plus, l'aide d'un nutritionniste peut être très précieuse pour vous donner des conseils personnalisés, comme des recettes adaptées, je le confirme, des méthodes de préparation et de cuisson, je le confirme, des idées de menu, non. J'ai pas eu de menu encore. Des méthodes simples pour calculer vos calories. Oups. etc., etc. Donc enfin, sachez qu'une visite chez le cardiologue et une fois par an est nécessaire. Alors ça, par contre, c'est une surprise. Donc, en fait, il faut voir le cardiologue une fois par an afin de vérifier le bon fonctionnement de votre appareil cardiovasculaire. C'est ça. Et de fait, bon, ça je l'ai fait. De fait, les risques cardiovasculaires sont plus grands chez les diabétiques. Forcément. Décidément, j'ai pas de bol là. De même, il faut consulter régulièrement aussi. Alors ça, par contre, c'est les yeux qui vont arriver. Donc, il faut consulter régulièrement aussi l'ophtalmologiste. Ça, par contre, je l'ai pas encore fait. Le diabète, sachez que le diabète est la première. Je devrais le faire. Je devrais, mais. Tu pourrais aller voir un ophtalmo. Parce que là, les yeux, ça commence, hein, je vous le dis franchement. Hein. Donc, le diabète. Passe de cause, j'ai des problèmes de vue. Donc. Donc, sachez que le diabète est la première cause de cécité entre les 20 et 60 ans. Ça, bah, vous étiez au courant, ça aussi? Plus ou moins. Est-ce que vous... Et par contre, là aussi, ça peut paraître bizarre, mais il faut voir aussi un podologue. Ah, ça peut surprendre. Pourquoi? Les pieds. Merde, ça merci. Ça merci. Parce qu'il y a des problèmes de nécrose, non? Alors, je vais expliquer, c'est que sachez que les pieds, et ça, je le confirme aussi, malheureusement, parce qu'il y en a des fois, il y en a, c'est pour ça. Sachez que chez les diabétiques, les pieds sont plus fragiles après plusieurs années d'évolution. Donc, ça veut dire qu'on a du mal à marcher. Avec, de plus en plus. Et même, ça atteint même les jambes, hein. Parce que dis donc, tu sens presque plus rien à force. Est-ce que c'est vrai que si on a le diabète, ça peut se transformer en gangrène? Pardon? Non. C'est quoi cette question? En graine ou comment ça, en graine? Gangrène, ça veut dire que... La gangrène, tu connais pas la gangrène? Ça veut dire que c'est une maladie quand on te coupe la moitié d'un pied. Mais non. Ah non. Ben moi, m'avait certifié que c'était sur ça, donc après, je sais pas si c'est vrai. Quoi. Non, c'est ça, que t'aies des difficultés de marcher, ça c'est vrai, mais de là que tu perds un pied parce que t'es diabétique, non. La seule chose qui est vraie, parce que j'ai connu une personne... Par contre, au niveau de tes défenses immunitaires, tout ça, au niveau de... t'es beaucoup plus exposé, par exemple, au risque de tétanos, les trucs comme ça, par contre. Il y a deux choses que je sais chez les diabétiques, parce que quand on avait connu GG, qui est totalement diabétique, c'est qu'il y a deux choses qu'il faut faire attention en cas de diabète. Un, c'est vrai qu'il faut faire attention aux opérations. Parce que le diabète, malheureusement, peut avoir des complications aussi au niveau des opérations, et puis ça peut générer... C'est pour ça qu'on peut pas plus se faire opérer. Et malheureusement, ça fait des complications, parce qu'il y a eu des problèmes aux jambes et aux pieds à cause de ça. Ben moi, mon père a eu un cancer, ils n'ont pas pu l'opérer à cause du diabète. À cause du diabète, il y a ça. Deux, et par contre, est-ce qu'on perd un pied? Non, mais je pense que c'est en cas de... Je pense pas que c'est à cause du diabète. Le diabète ralentit l'accélération de cicatrisation, en fait. Ouais. Donc, c'est-à-dire quand tu vas te couper, tu vas cicatriser beaucoup moins vite qu'une personne normale. D'accord. Donc, voilà. Ça, quand je savais pas, ça, tu me l'apprends. Comment tu as su ça? Ben, parce que mon père était un grand diabétique, donc, Quand voilà, tu dis quoi. Grand diabétique, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport que lui, il avait des comprimés à tire-larigot plus l'insuline. Et niveau alimentaire, on va pas dire qu'il était un grand fan des diététiciens ou autres, quoi. Donc il mangeait un peu ce qu'il voulait en quantité qu'il voulait, quoi. Mais voilà. Je suis obligé de poser cette question parce que je ne l'ai pas sur moi, mais je voudrais quand même qu'on en parle. Est-ce que c'est héréditaire, oui. Alors, c'est pas héréditaire, c'est pas dans ce sens-là, c'est pas la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on meurt du diabète?
Alors ça, je pourrais pas te dire, puisque moi, mon père a eu un cancer, donc je pourrais pas te dire. Est-ce que je pense que le diabète aggrave, on va dire. Oui, ça aggrave forcément. Après, est-ce qu'on peut en mourir? Je pourrais pas donner de réponse bien précise. Mais bon, oui, enfin, ça atteint pas mal le corps, quoi. Hein, donc voilà. Quoi. Selon peut-être le taux de sucre que tu manges. Ça, et puis comment tu vas t'employer à le contrôler, on va dire. Ouais. Moi, mon père le contrôlait par les médicaments, mais par l'insuline. Mais niveau alimentaire, c'était une catastrophe naturelle, quoi. Hein, je veux dire, hein. Moi, mon père, à 3h du matin, il se faisait une plâtrée de frites, quoi. Hein, je veux dire, donc voilà, quoi. Alors, concernant les traitements, sachez que le traitement dépend du stade du diabète. Dans un premier temps, donc, les mesures diététiques, c'est ce que j'ai en ce moment, donc manger équilibré, et aussi les activités physiques suffisantes. Joker. Mais si, bah avec le froid qu'il fait, je veux pas faire d'activité physique, en quoi que des fois... Mais t'as ton vélo, hein. Ouais, mais il fait froid. La natation. Faut qu'elle chauffe la pièce, hein. Oh, l'excuse. Après, voilà, c'est une... Non, mais la natation avec Sandy, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible non plus. Il est trop pudique. Oh, tout ça, c'est encore autre chose. Il fait bien froid, là, la natation. Hein. Non, mais justement, je parle pas forcément d'être à poil. Je pense qu'il parle du plan d'eau, par exemple. Je pense que ça doit être ça. Donc, sachez que si ces mesures ne sont pas suffisantes, je parle des mesures diététiques, sachez qu'il y a des médicaments anti-diabétiques qui sont associés. Vous savez ce que c'est? Donc, c'est les hypoglycémiants oraux ou des anti-diabétiques oraux. Ça vous parle? C'est quoi comme médicament? Ça marche bien? C'est efficace? Alors, moi, je sais pas exactement, puisque mon père avait un traitement bien précis. Il avait du glucophage, il avait du Corvazal. Ouais. Il en avait au moins une vingtaine. En plus de l'insuline. La question que je me pose, ça sert à quoi? Ça sert à baisser le sucre? Ça sert à quoi, ces médicaments? Oui, parce qu'il avait le traitement, il devait le prendre deux fois. Si mes souvenirs sont bons, c'est deux fois par jour, donc le matin et le soir. Si je me trompe pas, hein, mais je crois qu'il y avait le midi aussi, mais je suis pas sûr. Mais ça régule en fait, ça évite de trop charger en insuline ou quoi que ce soit, parce que bon, l'insuline, c'est pas top à prendre, quoi. Ève, ça te parle aussi, toi qui as eu des médicaments? Moi, je sais les noms des médicaments, je sais bien que j'en ai eu, mais... Je parle pas des noms, hein. Je parle surtout de ce qui est censé faire comme effet à la glycémie. Je pense que ça régule dans la journée, en fait, jusqu'à temps que tu prennes ton insuline liquide. C'est quoi, ça fait du bien au pancréas, au foie, c'est ça? Ouais, ça, je pense que c'est plus soulage. De ce côté-là. Ouais, je pense que ça régule et ça soulage un peu le pancréas. Oui, mais pourtant. Je pense que c'est ce côté-là. Après... Le pire, c'est qu'on n'en guérit pas finalement, même si on prend des médicaments. Mais non. C'est ça qui est triste. Bah, quand tu l'as, c'est à life. Hein. C'est ça. C'est jusqu'à temps que tu. Ben, voilà quoi. Donc c'est à vie. Le diabète. Moi, de ce que j'en sais à l'heure actuelle, c'est à vie quoi. On en. J'ai pas connu de personnes qui en ont guéri. Une fois qu'on est au diabète, on peut plus s'en sortir. C'est ça. Et après, je pense que tu peux le diminuer fortement, mais... Mais pas t'en sortir. Mais t'en sortir définitivement, non. Être à zéro, ça m'étonnerait fort, quoi. À zéro. Moi, mes gynécologues m'ont toujours dit qu'il fallait faire gaffe parce que ça pouvait rester de façon permanente, mon diabète, après la grossesse. C'est ça. Alors, parfois aussi, un traitement par insuline sera prescrit par le médecin. Lorsque les traitements médicamenteux ne sont pas assez efficaces et contre-indiqués, ou en cas aussi de complications. Cette insulinothérapie peut être transitoire, et encore une fois, il y a donc un suivi médical régulier, donc des yeux, des reins, du cœur, etc., pour éviter les complications surtout. La prise en charge repose sur une éducation alimentaire stricte et des médicaments et aussi une surveillance étroite. Donc ça veut dire que là, vous allez être bourré de suivis médicaux. C'est ça. Avec le diabète. Là, je m'attends à tout avec ça. Hein. Sachez que les traitements contre le diabète visent à diminuer le taux de sucre circulant dans le sang. Voilà. Voilà la raison. Car l'hyperglycémie chronique est responsable de complications à long terme. Et il peut s'agir de médicaments pris par voie orale ou donc des injections d'insuline. Je vais pas vous donner les causes parce qu'on a déjà parlé de l'hyperglycémie, tout ça. Par contre, les risques. Alors là, il y a de quoi faire. Aïe. Donc déjà,
Il est fondamental de connaître ses risques de développer un diabète. Et en effet, cela permet ensuite de tenter de corriger les facteurs de risque présents dans plus de 75% des cas et d'éviter l'incit d'apparition d'un diabète. Alors, est-ce que vous connaissez les facteurs de risque? Parce qu'il y en a plein. Comme tu as dit, déjà le surpoids. Le surpoids, oui. Alors, sachant que par rapport au poids, je tiens à préciser, on parle d'IMC. Vous savez ce que c'est l'IMC ? Oui, l'indice de masse corporelle. Voilà. Donc, je rappelle que l'indice de masse corporelle se calcule en divisant le poids exprimé en kilogrammes par la taille au carré exprimée en mètres. C'est bien, ça fait des mathématiques aujourd'hui. Donc, IMC. On va dépasser 25. L'IMC, en fait, c'est le poids au kilo divisé par la taille au mètre carré. Ça va? J'arriverai même pas à calculer ma masse, alors. C'est pas compliqué. Je vois. Bon, voilà. Donc ça, c'est l'IMC. Si on dépasse 25, on est en surpoids. Si on est, on dépasse 30, on est obèse. Sauf comme rythme à part. C'est ça. C'est compliqué, hein. Alors, après. Est-ce que vous voyez d'autres facteurs de risque? Cardio? Cardio, bien sûr, forcément. Donc là-dessus, on y revient. Et donc le manque d'activité, le manque de. Alors, les artères. Alors, vous savez quels sont les antécédents de maladies cardiovasculaires qui peut engendrer, qui peut aller jusqu'au diabète de type 2? Et là, oups. T'as les artères, non? Je crois qu'il y a non. L'artérite des membres inférieurs, oui. Donc on appelle ça une artérite. Mm-hmm. On peut aussi parler de l'angine de poitrine. Ça, j'en ai eu. L'angine de poitrine, malheureusement, peut amener à l'hyperglycémie, voire le diabète. Et autre chose, c'est l'infarctus. Oui. Ah oui, oui, j'avais oublié celui-là. Oui. L'infarctus est un antécédent qui peut aller jusqu'au diabète. Si vous l'avez oublié, c'était au courant, ça? Bah oui, mon père en a eu un, donc oui. En plus, il a été opéré à cœur ouvert, donc il avait une jolie fermeture éclair. Ouais. Oui, il en a eu un et qu'il a fait d'ailleurs devant moi, donc oui, je m'en rappelle très bien, oui. D'accord. Ça nous avait même pourri nos vacances d'été. Et qui, malheureusement, ça. Ah, c'est à cause de son infarctus qu'il a eu le diabète, c'est ça? Oui, parce qu'il en avait pas, et puis bon, ça a déclenché. Après, c'est une histoire sans fin, quoi. D'accord. Ok. Donc, quoi qu'il en soit, si vous êtes victime d'une angine de poitrine, d'infarctus ou ça, vérifiez bien votre sucre. Mmh. Très important à le dire. Donc, Eve, tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui. Voilà, donc je tiens à te le dire. Non, parce que tu as dit que tu as une angine de poitrine, donc c'est pour ça que je te dis. Oui. J'ai pris le bus pour y aller. Ensuite, il y a une chose que tu avais dit, Lionel, juste avant. On peut le cardio. Non, mais le diabète, on peut l'avoir comment? C'est héréditaire. C'est héréditaire, effectivement. Est-ce que vous savez comment c'est héréditaire, le diabète? Alors après, comment, je sais pas, mais il suffit que le diabète soit atteint par l'un des deux parents, ouais, d'un frère ou d'une sœur. Atteint du diabète, qui représente donc un facteur de risque. Oui, que lui-même tiendrait certainement d'un grand-parent. Ou... Exactement. Donc moi, c'est lié à mon père. Mon père et ma grand-mère, pour être honnête. Ensuite, on peut être... Le facteur de risque, c'est l'hypertension artérielle. Mm-hmm. Ça, c'est pas une surprise. L'alimentation trop riche. Forcément. Vous avez aussi une sédentarité, c'est-à-dire l'absence ou insuffisance d'activité physique. Je l'ai dit. Ensuite, l'augmentation du cholestérol. Forcément. Ensuite, vous avez le tabagisme. Ça va. Alors, il faut peut-être expliquer sur le tabagisme. Peut-être, sachez que la consommation de tabac semble avoir une influence sur le pancréas en augmentant la résistance à l'insuline. Laurent, fais attention, s'il te plaît. 44% des fumeurs présentent un risque de développer un diabète de type 2. Eh ben, Natou, il faut arrêter de fumer. Voilà, comme ça, si elle m'écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire, Natou. C'est pas Laurent. Et Laurent aussi, au passage, si je peux me permettre. Parce que toi, Laurent, t'as de quoi faire, hein, avec tout ce que je suis en train de dire. Il y a l'alcoolisme. Bonjour, Lionel. L'alcoolisme, ça veut pas dire un verre tous les 36 humains, s'il te plaît. L'alcoolisme, ouais, c'est celui qui picole tous les jours, quand même. Hein. Non, juste un petit peu. Non. Ensuite, vous avez le diabète pendant une grossesse. C'est ce qu'a dit Eve depuis tout à l'heure. On peut aussi avoir pendant une grossesse ou lors d'un accouchement d'un enfant dont le poids de naissance était supérieur à 4 kilos. Ah, bonjour, mon fils. Ça va de 4,180 kg à 4,250. Le mien fait 4,90 kg. Ben voilà, c'est un exemple. Autre particularité aussi, c'est les plaies qui sont difficiles à cicatriser.
C'est ça. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Donc malheureusement, ça fait effet sur ça. Donc les plaies qui sont difficiles à cicatriser à cause du diabète. Ensuite, vous avez des infections qui sont répétées. Vous savez quoi, par exemple? Parce que à cause du diabète, il peut y avoir par la suite des infections répétées. Donc par exemple, les cystites. Je ne connais pas le nom, donc ne me demandez pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est qu'une cystite. C'est un problème urinaire. Ah oui, oui. Ça donne toujours envie d'aller faire pipi, ça brûle quand tu fais pipi, ça concerne les femmes beaucoup. Les infections urinaires, justement, les mycoses, les abcès, et les furoncles. Et malheureusement, faut le dire. Hein, ouais. C'est malheureusement, faut le dire. Vous avez aussi les plus concernés, c'est 45 ans, qui sont le plus concernés par le diabète hein, de type 2. C'est ceux qui ont plus de 45 ans. Moi, vraiment, c'est arrivé plus tôt. Hein. Plus tard que jamais. Et voilà. Concernant, donc, j'ai parlé du surcharge pondérale, j'ai parlé d'IMC, mais aussi il y a une histoire de tour de taille aussi. Sachez que la mesure du tour de taille est un indice de l'existence d'un facteur de risque, car le tour de taille de plus de 100 cm environ chez l'homme et le tour de taille de plus de 88 cm environ chez la femme en dehors de la grossesse. Oui, donc c'est par rapport, je veux dire, à la couche de graisse que tu as au niveau abdominal, c'est ça ? C'est ça, par exemple. Donc apparemment, ça touche voilà les hommes qui ont plus de 100 cm de taille et les femmes sont concernées pour ceux qui ont plus de 88 cm de tour de taille. Donc ça veut dire taille 44 par exemple dans les jeans si vous préférez et taille 50 pour la tour de taille chez les hommes. Ouais, j'ai pas de bol. Du 42. Alors de la marge. Les symptômes. Alors là. Symptômes. Donc, sachez que ces manifestations peuvent apparaître brutalement lors d'un diabète de type 1, puis type 2. Donc, sensation d'avoir toujours soif. Pâleur. Besoin d'uriner fréquemment. Augmentation de l'appétit. Un amaigrissement. J'aurais bien aimé, punaise. Ça m'aurait bien arrangé, ça. La somnolence, la fatigue, les changements brutaux de la vision et la perte de connaissance. Que tu as bien vu souvent. Très souvent. Tu veux en parler de ça, ce que t'as vu? Ah ben, je l'ai vu. Moi, ça fait des années que je vois ça, donc. Mais comment au niveau de la perte de connaissance, comment tu peux détecter une hypoglycémie de toi? Comment tu peux en juger de ça? Moi, j'ai vécu avec depuis mon enfance, donc du coup, je peux même pas te dire comment je te détecte ça. Hypo-hyper, hein, parce que c'est les deux. Je le vois quoi, c'est tout. Moi j'ai baigné dedans depuis que je suis gamin, donc voilà. Maintenant je le détecte de suite chez une personne quoi. Il y a une chose qui m'est arrivée il y a deux jours, je sais pas si tu te souviens. J'étais pas bien, j'étais fatigué, j'étais ici, j'étais là. J'ai pris un verre de jus d'orange. Et après il est encore plus fracassé. J'ai été speed juste après et ça m'a tué. Et justement et c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est le jus d'orange qui m'a fait mal aux yeux. Et ça, j'ai jamais compris ça. Ben en fait, parce que t'as peut-être une montée trop rapide en fait de sucre en fait. C'est-à-dire que au lieu de peut-être tu vois d'en prendre juste allez un fond, et du fait que t'as pris un bon verre quand même et que tu l'as bu peut-être trop rapidement, ça a fait. J'ai bu cul sec. Hein, voilà. Ouais. Donc voilà. Donc t'as eu une montée un peu trop rapide, on va dire. Oui. Voilà. C'est pour ça que généralement on te dit de boire quelque chose quand on donne par exemple de l'eau sucrée à une personne, on lui dit de le boire doucement. Donc ça veut dire que là c'est un conseil qu'on donne en prévention. Donc ça veut dire qu'en cas de ceux qui sont diabétiques et qui font de l'hypo, il faut pas boire. Faut prendre un demi verre, ça suffit amplement. Un demi verre et le boire tranquille, c'est-à-dire prendre gorgée par gorgée, mais par petite gorgée quoi, pas par grosse gorgée. Moi, je me pose des questions, là, parce que ces derniers temps, j'arrête pas de boire, j'arrête pas de faire pipi, je m'endors, pas oui, pas non. D'accord. Tu es diabétique. Merci, au revoir. Alors, sachez aussi qu'au niveau des diabètes de type 2, on peut avoir des tendances aux infections de la peau. Oui. Ça se voit. Malheureusement. Alors, j'ai pas d'abcès, j'ai pas de furoncle, mais j'ai quand même des croûtes, ce qui n'est pas rien. Alors là ça va, je vais bien, je rassure tout le monde là-dessus, j'ai pas de problème, on peut avoir des troubles de l'érection aussi. Ça va, ça va, là-dessus je vais bien, hein. je me porte bien là-dessus, hein. je rassure tout le monde. On peut avoir de la fatigue et des essoufflements, alors là c'est la totale là-dessus, là c'est vraiment mon point faible là-dessus d'ailleurs, c'est vraiment mon gros point faible, c'est la fatigue et les essoufflements, hein. La fatigue surtout. Et les courbatures, mais les courbatures, je sais pas d'où ça sort. Et les infections urinaires, là-dessus, ça va pour l'instant. Après, t'es pas obligé de tout avoir non plus, hein. Faut pas abuser non plus.
Est-ce que là-dessus, vous, ça vous est arrivé, ça? Moi, non. Parce que Laurent, je pense qu'il est parti un petit peu, là. Laurent, t'es parti? Laurent nous a quittés. Bon, c'est pas grave, il reviendra. Est-ce que vous avez été... Bon, fatigue, forcément, mais... Non. Après, essoufflement, enfin, moi, j'ai remarqué depuis quelques années, hein, avant, moi, j'étais assez sportif et tout. Maintenant, je suis un peu pâteau. C'est vrai que j'ai tendance à m'essouffler un peu rapidement. Je vais pas dire que je vais courir 2 mètres et puis je vais être essoufflé comme un buffle. Il va en falloir un peu plus, quand même. Mais bon, c'est vrai que j'ai tendance à, voilà, à vite fatiguer, à vite m'essouffler et tout ça. Bon, je suis tranquille de ce côté-là. Hein. Mes derniers bilans sanguins ont été excellents. Donc, voilà. Donc, je sais qu'il y a aucun risque là-dessus. Mais bon, c'est vrai que je fais très attention maintenant. Ok. Et alors, je me suis remis à courir aussi. Alors, je vais vous apprendre quelque chose aussi sur le diagnostic du diabète. Sachez que le diagnostic du diabète s'effectue le plus souvent lorsque les premières complications surviennent. Jusque là, vous suivez. Est-ce que vous savez combien de délais il faut pour que, entre les premières glycémies et le diabète déclaré? Excusez-moi, je suis obligé de rater sa santé. Je reviendrai après, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, Laurent. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Laurent, merci. Est-ce que... Non, je vois pas. Eh bien, il faut 7 ans. D'accord. Un délai de 7 ans environ s'écoule entre le moment où une glycémie est anormalement élevée sans avoir été repérée à ce moment-là, et enfin, pour en arriver au diagnostic du diabète. 7 ans. Est-ce que combien de temps il faut pour le syndrome de Ménière, le syndrome que j'ai? Je ne sais pas ce que c'est, le syndrome de... Le syndrome de? De Ménière. Ah, oui, je vois ce que c'est. De baigneur? Non. Ménière. Bon, je ne connais pas. Vas-y. Il faut 10 ans. Et c'est quoi comme syndrome? C'est le trouble de l'oreille interne. Voilà, c'est un déséquilibre de l'oreille interne. Ah, mais c'est une otite, ça, en fait. Ah non. Non, c'est, t'es assujetti au vertige. D'accord. À des gros vertiges. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Ménière. Mon père, il a eu ça aussi. Il a accumulé des maladies. Oups, mais bon. Mais voilà. C'est pas une otite, ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir avec une otite. D'accord. Une otite, c'est un mal de l'oreille. Quand on parle de vertige de Ménière, c'est un dérèglement de ton oreille interne. D'accord. Ah oui, c'est autre chose. C'est pas drôle. Ça non plus. Je le dis franchement. Sachez aussi que la progression mondiale du diabète est rapide, parce que selon la Fédération internationale du diabète, une augmentation de 55% du nombre de diabétiques en France est prévue en 2025. Près de 80% des diabétiques sont pris en charge à 100%. Donc c'est pris en charge par l'ALD, hein, le diabète, donc il va falloir que je le fasse d'ailleurs. C'est pris en charge à 100% dans le cadre d'une maladie de longue durée, donc l'ALD. Le dosage sanguin de l'hémoglobine glyquée est devenu le meilleur indice de surveillance du diabète et des traitements antidiabétiques. L'hémoglobine glyquée, ou alors on appelle ça aussi le HbA1c, enchanté, qui évalue la glycémie moyenne des 3 à 4 mois précédant son dosage sanguin. Voilà. Côté statistique, quelques chiffres aussi vite fait. Sachez que selon les données publiées dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'Institut national de veille sanitaire, donc l'INVS, donc ce sont des chiffres de novembre 2016, tout frais. Sachez que 3,5 millions de personnes étaient traitées pour un diabète en 2014, soit 5,3% de la population française. C'est beaucoup. Près de 10% des personnes sont atteintes du diabète de type 1, donc on l'a dit tout à l'heure, et sachez que le type de diabète 2 touche donc près de 90% des diabétiques. Plus de 400 millions de personnes dans le monde sont concernées par le diabète. 400 millions dans le monde, soit 4 fois plus qu'en 1980. Et selon l'OMS, le diabète pourrait donc passer de la 8e à la 7e cause de décès dans le monde, donc on parle bien de décès. Donc on peut décéder de diabète apparemment. Donc ça peut devenir la 7e cause de décès dans le monde en 2030. Et sachez que le diabète est diagnostiqué avec au minimum 5 années de retard. Ça c'est chaud. Hein. En France, donc 15 enfants sur 100 000 enfants de moins de 15 ans sont touchés par le diabète. Oui, j'allais parler justement des enfants avec le fameux bouger, manger sain là. C'est ça, manger, bouger. C'est pas pour rien, c'est parce que voilà, ils se sont rendu compte que le taux d'obésité ainsi que le taux de diabète chez les enfants avait à certains moments explosé. Le manque d'activité, ils mangent hyper gras, voilà.
Ok. Il y avait vraiment cette explosion d'obésité en plus de diabète chez les enfants que voilà, les médecins ont dit non, il faut sonner le signal d'alarme, on ne peut pas continuer comme ça. Sachez que des bébés aussi de quelques mois peuvent être atteints du diabète. Il faut quand même le dire. Et enfin, un dernier chiffre, c'est qu'en 2009, environ 34 000 décès en France étaient liés à un diabète ou à ses complications. Selon donc le bulletin épidémiologique hebdomadaire, ce sont des chiffres qui datent de novembre 2016. Je tiens à le dire. Donc, traitement. Donc, évidemment, on va revenir là-dessus. Il faut donc il y a ça, c'est un traitement long. Hein, déjà, le traitement du diabète s'adapte tout au long de la maladie. C'est ça. Ça peut augmenter comme ça peut baisser. Donc, les mesures diététiques et le contrôle de l'alimentation ainsi que les activités physiques sont souvent insuffisantes pour équilibrer le diabète de type 2 lorsque les complications ne sont pas apparues. Et le traitement du diabète varie selon chaque personne et selon le type de diabète. Sachez que le diabète de type 1 se traite à l'aide de l'insuline. Mmh. Et l'activité physique et la surveillance de l'alimentation font partie intégrante du traitement du diabète dans tous les sens du terme. Le contrôle et la surveillance des facteurs de risque comme par exemple le surpoids, le tabagisme, l'excès de cholestérol et la consommation d'alcool sont également indispensables. Alors, je vais donner les traitements. Déjà, il faut faire du sport. Mmh. De la marche. Ça, j'en fais. De la natation. Oui. T'en fais pas. J'en fais pas. Et Eva, on a parlé tout à l'heure de la natation en plus. Hein. Oui. Et le vélo. C'est ça. Qui prend la poussière. Bonjour. Ensuite, il faut contrôler son poids. Donc, oui, ayez, quoi qu'il en soit, une balance sur vous. Et qui fonctionne. Bah, un truc qui t'affiche un coup. Parce que moi, j'ai eu une balance à Bring Balance qui m'affichait, je me rappellerai toujours. Je sortais de chez le médecin. Donc, je faisais à l'époque 65 kilos. J'arrive à la maison, j'en faisais 70. J'ai dit, attends, il y a un problème quelque part. J'ai dit, soit c'est sa balance qui déconne, soit c'est la mienne. Et je me suis repesé, 10 minutes, un quart d'heure après, je refaisais 65 kilos. Donc c'est bien la mienne qui merdait. Ensuite, il faut surveiller son alimentation, j'en parlerai après. Il faut traiter l'hypertension artérielle. Donc ayez sur vous, là on va faire de la prévention, ayez sur vous un tensiomètre, hein, parce que comme ça, un tensiomètre. Mais alors par contre, tensiomètre, Protec, tu peux me dire quel est le plus fiable? Le plus fiable, Les problèmes, c'est les aiguilles. Tout le monde ne lit pas les aiguilles. C'est ça, voilà. Par contre, moi, ce que je peux dire, c'est que moi, un tensiomètre, ceux des poignets sont pas très fiables, mais ceux qui sont bien fiables, c'est ceux qui sont au bras. Mmh. Donc, tensiomètre électronique au bras, ça marche bien. Maintenant, ça. Il existe un truc qui fonctionne très bien, hein, puisque nous, on a tendance à s'y fier aussi un peu plus. Mmh. C'est avec les téléphones portables. Il y a une application qui permet de vérifier un peu le pouls, etc., etc. Mmh. Et donc, après, il existe un ustensile qui se met où on met le portable dedans. Et que ça se scratch au niveau comme si que tu mettais au bras, quoi, hein, mm-hmm. Tu mets ça au bras et quand tu fais ton activité ou quoi que ce soit, ça calcule en temps et en heure tes mouvements, ton taux d'oxygène dans le sang, etc., etc. Enfin, en tout cas pour ceux qui se servent des tensiomètres électroniques. Il y a aussi des bracelets qui existent hein, maintenant. C'est des bracelets, c'est pas plus épais que des bracelets de montre. Oui. Et ça fonctionne très bien, quoi. Tu parles des montres connectées, par exemple? Par exemple, les montres connectées, maintenant, sont équipées de détecteurs. Et ça fonctionne pas trop mal. D'accord. Enfin, ceux qui sont à la base, je suis obligé de parler de ça parce qu'il y en a beaucoup qui se basent au tensiomètre électronique. Mmh. Faites plutôt au bras. Oui. Parce que les poignets, c'est pas pareil, je le dis franchement. Il faut arrêter le tabac pour ceux qui fument, hein, je tiens à le dire. Il faut diminuer l'alcool pour ceux qui en consomment trop. Lionel. Non. Ensuite, il y a la prévention des infections urinaires et des infections de la peau. Donc, allez voir au pire un dermatologue, ça serait bien aussi. La surveillance de l'état de ses pieds. Mmh. Ça paraît surprenant, mais c'est très important de surveiller l'état de ses pieds. Et enfin, il faut traiter l'hyperlipidémie. Vous savez ce que c'est? Moi, je sais ce que c'est. Bah oui, c'est marqué dessus. Les lipides. Bah donc, oui. Les lipides, c'est... C'est la graisse, les lipides. Oh bah, c'est les lipides. T'as dit quoi, Daniel? Les lipides, c'est les lipides. Non, t'as dit autre chose avant. T'as pas dit les pieds? Non, je crois pas, non. Donc, il faut traiter l'hyperlipidémie si elle n'a pas été corrigée par la perte de poids. C'est ça. Et on parle de liposuccion. Oh, bah voyons. Bah voyons. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses. On va parler d'alimentation. Comme ça va faire plaisir à Lionel de me pointer du doigt là-dessus. Il y a. Je peux rien dire. Il y a. Je vais vous donner. J'ai donc 10 catégories d'aliments qu'il faut manger à tout prix
lors d'un diabète. Est-ce que vous savez lesquels? Les légumes verts. Alors les légumes, faut que, en plus je suis obligé d'aller cherche les légumes. Voilà, les légumes. Donc les légumes, tout comme les fruits, sont riches en minéraux, vitamines et fibres, mais sont dépourvus de glucides. C'est ça. Oui. Donc leur impact sur la glycémie est donc faible, voire nul. Et ils doivent tenir une place de choix dans l'alimentation d'un diabétique. Mmh. Par exemple, hier soir, manger des choux de Bruxelles. C'est ça. C'était bon en plus. Attention toutefois aux légumes féculents. Qu'est-ce que les légumes féculents? Ben, pommes de terre. Alors, pommes de terre. Alors, attention parce qu'il y en a plusieurs. Il y a les pommes de terre. Ensuite. Tout ce qui est les faillots, là, les. Ouais. Ce qu'on appelle les flageolets, par exemple. Eh bien, c'est pas forcément marqué, ça. Donc, il y en a certains. Ça va vous surprendre. Donc, il faut faire attention à certains légumes féculents. Donc, je vais vous donner. Il y a le maïs. Il y a les pois verts, il y a les patates douces, la pomme de terre, le panaïs, je sais pas ce que c'est, ou le pané, je pense qu'on doit dire ça, et les courges aussi. Donc, à défaut de pas les manger, vous les mettez ailleurs, hein. Qui sont, en fait, vous savez pourquoi faut faire attention à ces légumes? Parce qu'en fait, ils sont plus riches en glucides que les autres légumes. Tout simplement. Sachez que leur contenu en glucides doit être comptabilisé dans le total des glucides du repas. Donc c'est pas la peine de faire 4 milliards de ça, ça dépend du taux de glucides. En fait, c'est ça, en fait, faut faire attention. Tu peux manger autant de légumes que tu veux, mais selon le taux de glucides que contient les légumes. C'est compliqué, ça, par contre, à calculer. À calculer, oui, c'est chiant. Donc, d'où pourquoi on privilégie d'ailleurs les légumes verts. Oui, mais comment? Frais ou surgelés? Qu'est-ce qui est privilégié? Frais ou surgelé? Bah, surgelé, c'est pas mal aussi, donc. Surgelé, pourquoi? Vous savez pourquoi? Bah parce que ils sont congelés dans les 2 heures de la cueillette. Alors, en fait, c'est surtout qu'on garde des vitamines. C'est surtout pour ça, parce que c'est privilégié de prendre des légumes surgelés par rapport aux vitamines qui restent dedans. Exactement, toutes les vitamines, tous les principes nutritifs de l'aliment, puisque chaque aliment a ses principes nutritifs pour préserver toutes les vitamines et autres. D'accord. Alors, qui dit légumes dit fruits, forcément, comme ça on est tranquille. Donc, sachez que les fruits sont riches en vitamines, minéraux aussi, et en fibres, et apportent donc à l'organisme tous les nutriments nécessaires pour une bonne santé. La plupart des fruits peuvent être consommés par une personne diabétique. Cependant, certains d'entre eux contiennent plus de glucides que d'autres, et qui ont un index de glycémie plus élevé que d'autres. Est-ce que vous savez quels sont les deux, par exemple La banane. La banane, il y en a un, il y en a un autre aussi à éviter. Il y a la banane à éviter, et il y en a un autre. Est-ce que vous savez lequel? L'avocat? Non, l'avocat, on en parlera après. Mais justement, c'est l'inverse, l'avocat, j'en parlerai plus tard. Je dirais l'orange? Non. Non. L'orange, c'est plus la vitamine C. C'est pas les glucides. Ouais, enfin, c'est pas là où il y en a le plus, hein. Moi, je suis bien qu'on me dise d'éviter. Alors, c'est rond. Oui. C'est petit. Le citron? Ça se mange, par exemple, à Noël ou au jour de l'an. Pour ceux qui font la tradition. Les verrelles? T'as dit quoi? Les verrelles? Tu manges des rennes? Les petits fruits rouges. Non, c'est pas les fruits rouges. J'entends des rennes, c'est pour ça. Non. Des pépins? Les figues? Non, les raisins. Ah, le raisin. Et à Noël, tu manges du raisin, toi? Bah, y a des traditions. Tu fais les 12 coups de midi de minuit. Hein, c'est bien. C'est au jour de l'an, en plus. Ouais. Ouais, tu fais 12 coups. Bing. Et tu manges 12 raisins. Et ben, les raisins, c'est aussi invité comme la banane. Et sachez qu'il faut quoi il faut pas en particulier manger certains fruits, et vous savez lesquels? Quels sont les fruits les plus conseillés en cas de diabète? La pomme. La pomme 1. Ensuite. Qui dit pomme dit poire. Les poires, et ensuite. Et les Scooby-Doo. Les Scooby-Doo, voilà. Et tu l'as dit justement, et sache que les agrumes sont conseillés aussi, donc l'orange. L'orange est conseillé en cas de diabète. Parce que tout ça entraîne, je vais le faire en conditionnel, entraînerait une diminution du risque de développer un diabète de type 2. Allez-y, mangez des pommes, c'est ce qu'avait dit Chirac, allez-y, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, les pommes, ça fait du bien. Et c'est là que j'interviens en disant qui c'est qui veut qu'une pomme. Ah, les pommes, j'en mange. Ah, les pommes, j'en mange. Alors là, tu peux dire tout ce que tu veux, j'en mange les pommes. Alors là, je suis tranquille. Pas tous les jours. Pas moi, Adam, alors. Mais j'en mange des pommes. Alors après, il y a des surprises, enfin des choses que j'ai dit depuis le début, quoi, si vous avez retenu, et puis il y en a certains. Alors, t'as parlé des avocats, par exemple, Eve. Oui. Eh bien, sache que la consommation d'avocats est recommandée.
en cas de diabète. Ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher, mais est-ce que vous savez pourquoi? Non. Ça coûte cher. En cas de divorce, c'est pour ça que tu voulais. C'était cette blague-là que je voulais dire. C'est pour ça. Donc, je vais expliquer. La consommation d'avocat est recommandée en cas de diabète de type 2, car il contient très peu de glucides et beaucoup de fibres solubles qui favorisent la digestion. De plus, son index glycémique faible contribue à une bonne régulation de la glycémie. Il peut ainsi être mis au menu plusieurs fois par semaine, mais c'est pas donné, à condition de ne pas être accompagné de mayonnaise. Forcément. Nature. Vous pouvez mettre des crevettes ou même des fruits de mer qui vont constituer un accompagnement idéal en cas de diabète. C'est bon ça en plus. Des fruits de mer. Mettez du thon. Crevettes décortiquées. Des pommes de terre ou des pâtes qu'on dit oui, mais ça fait grossir. Ben non, c'est pas eux qu'il faut grossir, c'est ce que tu mets dessus. Plus tu vas mettre de matière grasse, forcément, plus voilà. Tu vas faire monter ton taux de cholestérol ou tu vas prendre du poids. Maintenant, tu accompagnes ça de jus de citron ou autre qui ne fait pas grossir, tu n'auras pas de problème de santé. Hein. C'est bon, le citron. Ah ouais. Hein. Citron, agrumes, conseillé. J'en fais une orgie, moi. Mais citron, agrumes. Mmh. Agrumes, donc, c'est conseillé. Donc, vous pouvez vous faire un petit truc au citron. C'est pour ça que tu as vu les fioles de citron que je prends. Je me fais de l'eau, tu vois, tu prends une bouteille d'eau, machin, et tu mets l'équivalent d'une demi-fiole de citron dedans. Mm-hmm. Et tu bois ça, c'est radical. C'est ce que j'ai oublié de mettre hier, il y avait les fioles de citron. Dommage. Alors, d'après vous, après. Et maintenant, il reste 8. Non, 7, maintenant que j'ai parlé de l'avocat. Alors, d'après vous, on en a parlé un depuis le début, je vais le dire, parce que je l'ai dit 3 ou 4 fois, ce sont les fibres. Plusieurs études menées dans les années 70 ont montré qu'une alimentation riche en hydrates de carbone et en fibres améliorerait donc l'équilibre glycémique et diminuerait les besoins en insuline des diabétiques. L'effet serait d'autant plus marqué avec les fibres solubles. On trouve donc ces fibres, vous savez où? Dans les céréales. Dans les céréales, mais il n'y a pas que ça. Alors les céréales, lesquelles? Aha. Le blé. Non. Ouais. Non. Eh bien, non. L'orge? Non. Il y a l'orge. Il y a l'avoine. Le froment? Non. Ça aurait bien aimé le froment, parce qu'avec les petits pains suédois, ça aurait été sympathique. En fait, vous avez l'orge, l'avoine et le seigle. Qui sont bons en fibres. Il y a les fruits et légumes, bien sûr, les légumineuses aussi et les légumes secs. Voilà. Tout ça, très bon, en fibres. Allez-y, faites-vous plaisir. Le poisson. C'est bon pour la mémoire. Bon ou pas bon, d'après vous, le poisson? Bon. Ah oui, très bon. Mais le poisson blanc, pas pané. Alors, je vais expliquer, c'est que... Mais pané, on peut pas le manger. Hein. Donc, bien sûr. Ça s'est dit, ça s'est fait. Merci pour la blague du jour. Donc, en cas de diabète, il est important de protéger son cœur et de prévenir les maladies cardiovasculaires. Oméga 3, 6, 9, bonjour. C'est ça, exactement. Donc, les poissons, surtout gras, sont riches en oméga 3, connus pour leurs bienfaits sur le cœur. Est-ce que vous savez lesquels sont donc conseillés? Le cabillaud. Le thon. Le thon est conseillé, oui. Le thon, c'est bon. Et là où ça me surprend, c'est le saumon. Oui, le saumon. Oui. Eh ben oui, mais pourtant c'est gras. Donc c'est pour ça que c'est très surprenant que le saumon est conseillé. Mmh. Tant mieux pour mes tomates d'ailleurs. Le saumon. Le saumon, donc le thon. Il y a la morue. Les bonnes brandades de morue. Bon, j'adore ça. Ah, moi j'adore ça. Le maquereau que j'en prends. Oui, le maquereau. Ouais. Maquereau, j'en prends des tonnes et des tonnes. Bah, j'en ai mangé hier soir. Maquereau, par contre, moi je prends la moutarde parce que vin blanc, bork. J'aime pas du tout. Après, chacun ses goûts. Hein. Donc, ils peuvent donc être mis au menu 2 à 3 fois par semaine. Donc, ça va, vous pouvez vous faire des bons petits plats avec tout ça. Et bien sûr, on recommande aussi le blanc. Oui, le poisson blanc. Le poisson blanc, le cabillaud, bien sûr. Voilà, mais il faut pas le cuire n'importe comment. Et mettre un petit peu de citron dessus avec l'agrume, ça serait sympathique. C'est ça que j'avais oublié aussi récemment. Alors, on recommande toutefois de varier les poissons consommés pour éviter une surconsommation de métaux lourds qui concerne davantage certains poissons, surtout les grands prédateurs. Donc, si vous mangez de l'espadon, du marlin, du requin, du thon ou encore de la dorade, soyez bien sûr cool au Raoul là-dessus. Hein, on est d'accord. Maintenant, sur la viande. Troisième étape, la viande. Les poulets. Donc, des viandes maigres comme le lapin, le poulet. Le jour que je mange du lapin, les poules ont des dents, je te dis franchement. Bon, le lapin. Non, mais le jour que je mangerai un lapin, c'est même pas en rêve, hein, je vous dis clairement. Donc, en cas de diabète, vous savez qu'est-ce qu'il faut pour la viande? Qu'est-ce qui est bon avec la viande? Qu'est-ce qui est bon? Le poulet.
Le poulet, on est d'accord. Oui, mais vous savez d'abord quelle est la première source de la viande qu'on a besoin? Le bœuf. J'ai pas parlé du type de viande, j'ai parlé de source énergétique. La viande rouge. Source énergétique, deux fois. Trois fois du jus vendu. Ève, qu'est-ce qui est bon? La viande est fort en... Fer. Non, c'est pas le fer. La viande est fort en fer. Non, bien sûr que non, c'est les protéines. En cas de diabète, les protéines sont nécessaires, mais difficiles d'en consommer sans les lipides, qui vont en général avec. Forcément. Faut quand même le dire. Donc, il faut préférer des viandes... Rouges. Maigres, pas rouges. Moi, je la veux rouge, moi. Donc, la viande rouge est déconseillée, et on la conseille que, vraiment que si on en veut absolument en manger, une fois par semaine. Alors, je vais expliquer sur la viande, parce que sur le porc, il y a deux ou trois choses qu'il faut que j'explique. Par contre, effectivement, la rouge, il faut faire attention. Il faut pas entre bon steak tartare. Steak haché, tu peux. Steak haché, tu peux te le permettre. Après, il faut éviter les trop saignants du genre. Ah ouais, non, mais moi, la viande rouge, je la mange saignante. Hein, je peux pas la manger autrement. Non, mais ce que je veux dire, c'est steak haché, tu peux. Il y a pas de souci. Après, voilà. Pour le reste, si tu veux te faire un bon steak saignant, steak, je parle pas de steak haché, mais du steak, quoi, par exemple. Saignant. Je sais, mais tu me feras pas manger de la semaine. Après, rien ne t'empêche de le manger. Allez, une fois de temps en temps, parce que c'est là où je voulais en venir, c'est que la diététicienne que j'ai rencontrée nous m'a bien dit de pas m'empêcher de manger. Non, faut pas aller à l'excès non plus. Faut pas se priver. Faut pas aller à l'excès non plus. Voilà. Nathalie, elle la mange bleue, la viande. Ah non, Berk. Quelle horreur. C'est saignant. Bleu, c'est déconseillé. Hein. Surtout, c'est très déconseillé. Je te le dis franchement. Donc viande maigre, qu'est-ce que c'est? Poulet. Bah donc, poulet. Oui. Volaille, lapin. Il y a pas lapin. J'ai pas lapin. Il y a pas lapin. Le lapin, il n'est pas là. Non, il y a pas lapin. Le veau. Le veau est une viande maigre. La dinde. Ah, la dinde plutôt. Je préfère mieux ça. Le poulet, la dinde, et il manque quelque chose. C'est en tranches. Oui, même le jambon, il a. Le jambon blanc, voilà. Et par contre, jambon blanc dégraissé, s'il vous plaît. Oui, sans couenne. Et tout ça au profit des viandes rouges qu'il faut vraiment limiter. Et concernant le mode de cuisson, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut cuire les viandes? Sans matière grasse. Donc il faut apparemment cuire au four. Griller ou à la vapeur. Alors il y a trois possibilités. Il y a au four, bof. En plus, moi je fais au four, mais sans... je fais à la poêle, mais sans huile. Comme ça, moi je suis tranquille. C'est ce que je fais aussi. Comme ça, moi je suis tranquille avec ça. Ou alors vous faites la cuisson en papillote. Oui. Ou au grill. Faut-il avoir un grill? Oui, mais en plus, en hiver, un grill... Ça s'achète, un grill. Oui, mais en hiver, voilà, quoi. Un grill en hiver, ça va être un peu compliqué. Hein. Il y en a qui sont faits exprès pour l'intérieur. C'est vrai. Ou sinon, ce qui existe, c'est aussi une plaque grill que tu poses sur ton feu, en fait, à la place de ton feu. C'est tu poses ça sur ta grille et tu fais ton grill... Comme ça. J'avais ça en restauration. Alors, au four, en papillote et au grill, en fait, c'est pour éviter surtout l'ajout de matière grasse qui est à l'intérieur des viandes. Donc, il faut faire attention à ça. Au pire, piquer. Hein. Surtout le bœuf, faites-vous plaisir. Hein. Même le canard, il faut piquer le canard. Les saucisses, piquer aussi. Tu sais qu'il était bon hier. De quoi? Le magret de canard. Ah, tu l'as mangé hier? Ah ouais. D'accord. Salaud, va. Donc, il m'a laissé de comme ça. Et vous savez. Avec ses pichous Bruxelles. Alors, vous rendez compte que hier, il est en train de m'arguer parce qu'il savait, hier, j'étais dans une position comme ça. Je lui demandais gentil, est-ce que tu peux me faire des frites? Non! Tout ça. Et puis hier, monsieur se permet de me faire, de manger de bons magrets de canard bien derrière moi. Mais moi, j'ai pas de problème de diabète, hein. Je suis tranquille de ce côté-là. Mais je suis pas interdit de manger du canard, d'où tu sors ça? Mais t'as bouffé 20 kilos d'avant, ça suffit. Non, mais je rêve. Par contre, au niveau du porc, j'ai oublié de préciser là-dessus, le porc, il faut faire attention que vous pouvez manger du porc. Il y a pas de souci. Alors deux conditions. Un, d'enlever la graisse, le gras qui est dessus. Les côtes de porc, c'est en principe à éviter. C'est ce qui est dit. C'est en principe. Hein. Il faut pas en consommer tous les jours. C'est pour ça que je t'ai demandé de délimiter là-dessus. Rôti, vous pouvez. Mais à condition de cuire à l'eau. Ah bah oui. Pas à l'huile. Faites cuire votre rôti à l'eau. C'est très important. Vous allez voir, c'est très très bon en plus. Puis tout ce qui est voilà, le porc, faut faire attention, ne pas prendre par exemple les sautés de porc. C'est très grave. Enfin, c'est tout ce qui est cartilage, tout ça, il faut éviter. Mais le bœuf, c'est pareil de toute façon. Sauté de porc, fais-le cuire à l'eau. Tu vois, tu auras des surprises. Ben je fais cuire à l'eau moi. En plus, ça te fait ton bouillon. Et quand vous faites cuire à l'huile, qu'est-ce qu'il faut comme huile?
L'huile d'olive. Non. Oui, mais moi j'en prends mais autre chose, avec l'huile d'olive avec la viande, bork, ça dégueulasse. Mm-hmm. Mais pour les salades si vous voulez, mais pour les viandes, berk. Ben non. Mais qu'est-ce que c'est l'huile? Mais des, avec des omégas. Isio. Isio, on va pas faire de la pub pour Isio 4, mais. Isio 4, mais si, j'en ai le droit. Mais oui, c'est de l'huile à base d'oméga. D'oméga 6, 3 ou 6 Les deux, je crois. Je crois qu'il y a les deux. Excusez-moi, elle m'a dit de vous dire, j'ai dit qu'elle n'était pas d'accord avec Sandy qui le cuisine avec l'huile d'olive, elle. Berk. Mais Berk Sandy, tu as toujours bien mangé. Et moi, je dis Berk. Berk et Berk, voilà. Elle t'en a fait déjà manger et t'as mangé. Oui, mais c'est très faible. Mais moi, je peux pas faire de la cuisine à l'huile d'olive. Je ne peux pas. C'est pas possible. C'est Berk. Ah, ben, il y en a qui cuisent avec l'huile d'olive. Mais je suis là à manger. Oui, mais Berk quand même. Avec cuisson de viande, c'est miam. Mais Berk. Par contre, très important de ne pas ajouter trop sel. Pendant les cuissons. Moi, je ne sèle pas, donc comme ça. Moi aussi, je ne sèle pas, donc je fais ce sel quand il... C'est ça. Concernant les glucides, donc il faut consommer du sucre quand on est diabétique, mais qui peut faire monter l'insuline rapidement. Il vaut Il vaut donc mieux éviter les glucides rapides qu'on trouve dans les biscuits, les bonbons et les sodas. Tu disais quoi, Eve, tout à l'heure, sur les sodas? Par rapport à quoi? Qu'il fallait pas trop consommer ou... Oui. On avait un petit coup de mou, qu'on avait un petit malaise, qu'il fallait prendre une petite goutte. Et là, attention, il faut aussi oublier la junk food, qui même salée peut contenir du sucre. C'est le cas, par exemple, des... McDo, bonjour, des pains hamburgers. Bah, tu le vois, hein, de toute façon. Dont la composition est semblable au pain de mie, qui contient du sucre. Donc, je confirme que l'hamburger contient du sucre. Et idem en ce qui concerne les sauces. Mm. Ah, mais je vais pas me priver de sauce, hein, je vous le dis, faut pas non plus exagérer. Donc, en revanche, il est conseillé de consommer des sucres lents. Est-ce que vous savez ce que c'est que les sucres lents? Les poquettes. Le pain. Non, mais, le pain. Les pâtes. Le pain, c'est précis, le pain, attention. Le pain blanc. Non. Eh non. Réfléchis, céréales. Ah, oui. Pain complet, bien sûr, oui, mais évidemment. Pain complet. Ah, c'est très bon le pain complet. Pain complet, c'est conseillé avec ces petits céréales autour. Oh, c'est mignon. C'est trop mignon. Oh, oui. Des petits pains aux noix. Ça c'est bon. Arrêtez de fantasmer sur le pain aux céréales. Ensuite, les féculents. Et les féculents, donc le riz, les pâtes et les pommes de terre, mais il faut pas non plus abuser en pâtes, parce que après, voilà quoi. Donc ça c'est dit, ça c'est fait. Les pâtes complètes. Les pâtes complètes aussi. Alors, j'ai jamais essayé encore ça. Moi, je mange des pâtes légumes. Mais c'est très bon. Hein, c'est bourratif. Tu connais pas les pâtes légumes? Non, il va falloir que je teste. Pour être honnête avec toi, je légumes. Connais pas. Il va falloir que je teste ces genres de pâtes. C'est pas la première fois que j'entends parler des pâtes aux céréales. C'est la deuxième fois que j'entends parler. Et il va falloir que je teste savoir si c'est bon. Moi, j'ai mangé des pâtes légumes. C'est bon, ça. Après, les huiles végétales. Concernant les huiles végétales. Donc, le diabétique doit veiller à un apport en lipides faible. Faible, j'ai bien dit faible. Les lipides ne doivent pas dépasser 30% des apports journaliers quotidiens. Pour éviter tout risque de troubles cardiovasculaires. C'est ça. Et là, je m'exprime à quelqu'un qui m'écoute. L'excès de graisse riche en acides gras saturés augmente en effet le cholestérol. À la fois le bon HDL, mais aussi le mauvais LDL. Ce qui entraîne un rapport entre les deux qui n'est pas favorable à une bonne santé cardiaque. En revanche, les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés contenus dans des huiles végétales crues, par exemple, sont bonnes pour la santé. Vous savez quoi? Il y a trois huiles conseillées. Colza 1. L'huile d'olive. L'huile d'olive 2, il y en manque un. Le maïs? Et ça, je l'ai en plus, cette huile. Le maïs? Non. Huile. L'isio 4. Non. Et bizarrement, c'est pas marqué, effectivement, l'isio 4. C'est pas très simple. Et ça, je l'ai, c'est l'huile de noix. Ah, l'huile de noix, oui. J'y étais pas en plus. J'allais le dire, mais je pensais que c'était dans les huiles à éviter, en fait. Ah non, l'huile de noix, non, c'est très conseillé. L'huile de noix, très conseillée, notamment pour quand vous faites vos bonnes petites salades. Miam, 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 ça, c'est bon, ça. J'ai testé, c'est super bon. Bon, faut pas en mettre 20 litres non plus, hein. Et tout ça, ça sert à favoriser. Et tout ça, ça, c'est donc à favoriser lors de l'assaisonnement. Dans tout assaisonnement, bien sûr. Les fruits à coque, ça vous parle aussi? Oui. Donc, les fruits à coque qui sont conseillés, donc les noix, les amandes, les pistaches, les noisettes. Parce que tout cela contient des bonnes graisses.
Donc je suis autorisé à manger des pistaches et des amandes. C'est pas mignon, oui. Tout ça. Non, non, il vaut mieux les manger que les prendre. Hein. Et cela protège des artères, mais ainsi que du magnésium. Mm. Voilà, très important. Or, les personnes atteintes du diabète, qu'il s'agisse d'un diabète de type 1 ou 2, manquent souvent de magnésium en raison du dérèglement de la production d'insuline et aussi une perte plus importante en magnésium dans les urines. Donc, voir du Contrex, entre autres. Par exemple. Puisque le Contrex est très riche en magnésium. Voilà, donc... D'où pourquoi on évite le chocolat, parce que c'est très riche en magnésium, pour favoriser les fruits à coque. Bon, oui, Lionel, je sais. Dis, vas-y, fais-toi plaisir. Mais si tu veux, si tu fais ton plaisir, toi, c'est le moment. Tu favorises plus le chocolat que le reste. Pour les fruits à coque. Les noix, je dirais pas non, mais c'est le problème, c'est très acide à la langue, ça. Acide? Ah, si, c'est bizarre de manger des noix. Mais t'es bizarre, toi. Mais parce que j'en ai fait avec la salade, mais je peux te dire, ça brûle la langue, les noix. Non, ça brûle. Ouais, non, c'est bon. Les pistaches, miam miam aussi. Mais alors, parce que c'est chiant, il faut dénoyauter, bordel. C'est chiant. Hein. De quoi, c'est chiant. Des cacahuètes à la place. Cacahuètes, c'est pas conseillé. Justement. Mais c'est mauvais. Et en plus, après, moi, je me gratte. Non, c'est pas bon. Et enfin, dernier, et là, ça va peut-être surprendre beaucoup de monde. Quand je vais dire ça, ce qui est conseillé pour les diabétiques, c'est les épices. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les épices. Et les herbes aromatiques. Alors, les herbes aromatiques, effectivement. Mais là, pour l'instant, je suis sur les épices. Est-ce que vous savez quelles sont les épices conseillées? Le cumin. Le cumin 1, 2. Le curcuma 2, c'est bon. On est ensuite. Le curry. Non, curry, non. C'est pas marqué. Paprika. Bon, j'aime bien parce qu'il y a marqué, etc. Mais j'aime bien... j'ai en priorité la sauge. L'origan. Ah ouais. Ça, c'est les herbes, ça. Ouais. Le cumin. Curcuma. Ouais. Le clou de girofle. Ouais. Et même la réglisse. C'est bien, je vais manger mon chat aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, d'autres épices riches en antioxydants qui permettent de prévenir des maladies cardiovasculaires et de certains cancers aussi. Qui luttent, en fait, contre le stress oxydatif. C'est bien, apprends ça aussi, Laurent. Ça peut t'aider. Augmenter en cas de maladie chronique. Donc, certains épices ont des actions bénéfiques précises. C'est le cas, par exemple, de la cannelle, qui, à raison d'une demi-cuillère à café par jour, aurait la réputation d'abaisser le cholestérol et la glycémie. C'est pour ça que moi, quand je cuisine, je mets toujours plein d'épices, plein d'herbes aromatiques. Du thé, mais j'ai pas le droit de thé. Pomme au four. À la cannelle. Avec de la cannelle. C'est très bon. Et il y en a un que je connais pas, c'est le fenugrec. Alors, fenugrec, c'est une épice au goût anisé qui aurait les mêmes vertus que la cannelle. Ouais, vous connaissez celui-là ? Je prendrais plus de la cannelle. Oui, j'ai déjà goûté, oui. Ouais. Bon. Voilà. Plus cannelle. Bon, ce que je vous ai dit, c'est pour le cas du diabète, mais c'est aussi que dans le cas d'une bonne alimentation saine, riche, cool. Oula. Est-ce que ça vous a appris des choses ? Oui, énormément. Faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, c'est ça. C'est en gros, ce que je vous dis, ça vous l'apprend pas. Est-ce que toi, t'as appris des choses? Honnêtement, oui. Ça peut nous concerner de façon directe ou indirecte. On n'est pas, je veux dire, invincible contre la maladie. On peut tous être touchés un jour ou l'autre par le diabète, que ce soit nous-mêmes ou un enfant ou un de nos parents. Et voilà, c'est toujours bien d'apprendre qu'est-ce qui est bien pour la maladie et qu'est-ce qui est contre-indiqué, qu'est-ce qu'il faut éviter. Moi, je trouve que c'est très bien. Le diabète, il y a des choses que vous avez apprises, il y a des choses que vous ne saviez pas peut-être. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut rajouter aussi par rapport à ce qu'on connaît? Est-ce qu'il y a, toi, Lionel, qui as vécu avec ton père, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites qu'il faut rajouter? Non, tout a été... Si, par contre, j'ai une question à poser. Oui. En cas de personne qui a de diabète et qui vit en couple avec, oui. Qu'est-ce que tu recommanderais au conjoint de faire, d'être prudent à un surtout, de toute façon, à la fois sur l'alimentaire, sur la prise des comprimés, etc. Mm-hmm. Pour éviter de faire tout et n'importe quoi. Puis voilà, quoi. Et puis d'être vigilant, quoi. Est-ce que c'est une contrainte au conjoint d'être avec un diabétique? Non, la contrainte, elle vient, c'est surtout le diabétique qui est contraint à beaucoup de choses. C'est pas l'inverse. C'est pas une contrainte, hein. Moi, ma mère, elle a vécu avec mon père pendant des années, avec son diabète, donc. Parce que, faut être honnête, hein, quand on est diabétique, malheureusement. Le seul truc, c'est quand tu pars manger chez des amis ou quoi que ce soit, faut que t'aies comprimé avec toi et tout ton tralala, quoi.
Mais il n'y a pas que ça. La contrainte, c'est par exemple que tu vois depuis deux jours. Hein, la contrainte, c'est que quelque part, on n'est pas indépendant. Ah non, ça c'est sûr. Et malheureusement, avec tous les risques à côté qu'on a, tous les symptômes qu'on a, on n'est pas forcément à l'abri. Après, moi, mon père était indépendant. Hein, y a pas de souci. Hein, c'est pas parce qu'il avait du diabète qu'il pouvait rien faire. Hein. Il faisait du sport, il faisait sa bouffe, il faisait. Enfin voilà quoi. Ça l'empêchait pas de vivre, hein, bien au contraire. Quoi. Justement, il se mettait des coups de pied au cul. C'est selon les complications, c'est ça peut-être. Non, c'est parce qu'il s'est mis des coups de pied au cul, quoi. C'est tout. Ouais. Il s'est pas laissé abattre par ça, quoi. Et puis voilà, il s'est pas empêché de vivre, quoi. Il a continué à vivre à fond, comme il entendait, à profiter de ses amis, etc., etc. Croquer la vie à pleines dents, quoi. Hein, je veux dire. On peut vivre largement avec le diabète seul. Largement, oui, même seul. Bien sûr. D'accord. Bien sûr, il faut faire attention de pas tomber dans les hypos ou dans les hyper, quoi. C'est tout, quoi. Ça, c'est pas évident. C'est ça. C'est pas facile de gérer ça, c'est pas forcément facile. Donc voilà. Après, je ne souhaite à personne, moi qui le vis, je peux vous dire que c'est vraiment c'est un calvaire. Je ne le cache pas, et puis c'est récent pour moi, donc je ne le souhaite à personne en tout cas, et j'espère que j'aurai appris des choses, parce que j'aurai transmis quelque chose à la fois pour moi, parce que ça m'a appris des choses pour moi, et aussi j'espère que j'aurai appris des choses à certaines personnes qui sont victimes d'hyperglycémie, voire peut-être limite diabète. J'espère que j'aurai apporté les clés. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Voilà, c'est fini. À très bientôt.